Et re tout le monde, on est toujours sur la Domingo TV. Je suis pas seul, je suis avec deux grands joueurs de ping-pong. Salut, salut. Domingo et ERB. Ils sont actuellement en train de s'échauffer. Vous allez suivre ce match en ma compagnie. Je vais être l'arbitre officiel de cette rencontre exclusive. Alors je rappelle un peu les faits. Officiellement, le dernier match fait en live a été remporté par LRB, le roi bison, c'est le tenant du titre. Ouais. Aujourd'hui, Domingo prend sa revanche. Il souhaite prendre définitivement cette place de meilleur joueur de ping-pong de la scène League of Legends, si ce n'est du streaming français, parce qu'on sait la scène League of Legends est la meilleure scène française. Du streaming, du monde. Meilleur joueur de ping-pong du monde. C'est la finale. Bienvenue pour la finale des championnats du monde. Du coup, vous allez pouvoir suivre tout ça en direct. Je vous explique très rapidement le format. Ils vont devoir se régler en BO5, donc 3 manches gagnantes. Et chaque manche, ils vont devoir tout simplement atteindre les 11 points pour la valider. Messieurs, 2 services chacun. Balle de 3. On connaît tous les bails. Balle de 3 quand vous voulez. C'est parti. Le chat est en folie. Vous pouvez voilà vous transformer en service Domingo. Tu pouvez te transformer Domingo en supporter sur le chat. Est-ce que vous êtes team Domingo, team LRB? Allez-y, c'est parti. 0-0. 1-0. Oh, ça va vite pour non monsieur Domingo. Balalo. Du coup, nouvelle balle. Balalo. Ah, un partout. C'est forcé. Alors Domingo, le match c'est commence forcé, ça, un mon père. Peu, tranquillement. Qu'est-ce après, que... officieusement, PA ouais a été meilleur que moi lors de la dernière rencontre. Et mais pourtant, t'as quand même gagné. Il se place, non. Ah, de la dernière rencontre non officielle. Oui, oui c'est vrai. C'était en Turquie. En Turquie, on s'en souvient, mais exact. Ça, si ce n'est pas devant les caméras, ça ne compte pas. Attention, c'est un 2-1. 1-2. 1-2, exactement. 2-2. 2-2. Ça s'annonce très très chaud. Belle défense du côté de Sakor, mais ça sera 3-2 malgré tout pour Domingo. Mais putain, je suis un trolleur là. 4-2, changement de service. 2-4. Je suis naze. 3-4. Dernier service. Dommage. Belle agression. 5-3. Ça ne suffit pas. 5-3. Premier service, Domingo. Oh, il m'a eu. À contre-pied. Qu'est-ce qu'on en pense? Pour l'instant, on est à 6-3. Il est bon, il est très très bon. Faut prendre son temps. C'est un BO5. Hein. C'est un BO5, t'as le taille, t'as juste 3 points de retard. T'inquiète pas, c'est quoi ton point maintenant, en direct, ici. Oh là. C'est breaké, c'est le break. Attention à pas trop subir la pression, sa corps qui se fait mener. 3-7. De quelques points, 3-7. C'est quand tu vois, ça perd des points. Le coach a toujours dit... Il y a quand même 5-7 à mettre, sa corps. Il fallait prendre son pas. Je comprends totalement. Respirer. C'est jamais terminé au ping-pong. C'est jamais terminé. C'est bien 3-7, premier service. Oh non. Oh. Il commence les effets. Non, je suis un trolleur aussi. C'est dommage. 9-3. Il est trop fort. Merci. 9-3, premier service, Domingo. J'ai fait la summer house juste pour tout dire. Mais j'ai vu ça, merde. Non, mais il s'entraîne depuis 4 jours. Hein. Mais je vois qu'il a fait 4 jours de training à branler. Sean, c'est possible qu'on ait besoin d'un nageur dans la piscine pour les balles. Hein. Ah. 9-3. Oh. Bah, ouais, c'est le nageur, quoi. 9-4. Balalo, non? Ah, c'est bon, une nouvelle balle qui vient d'arriver. Balle qui vient d'arriver, je garde mes balles. Oh la peur de gagner. 9-5. Attention. Oh la peur de gagner. 5-9. Tout est possible. 9-5, tout est possible, Pierre. Domi a retouché, mais il a retouché en dehors de la table. Donc, oh non, ça ne suffira pas sur cette fois-ci. Balalo. 9-6. Donc, je vais aller ramasser, mettez-vous d'accord. Attrape une balle qui est censée être dehors, en dehors de la table. Non, le point est quand même pour Domingo. Ouais. Hein. Si c'est sur la table, ça change tout. Oh non, la tranche. Dommage, parce qu'il y avait de belles actions offensives. On était en défense côté Domingo, une belle défense quand même. C'est une balle de 7. C'est une balle de 7. 10, 6, 2 services. C'est un bon match pour l'instant, s'accord. C'est un bon match. Tranquille. Fier de toi. Let's go. On a compris son jeu, c'est bon, c'est terminé. Oh 17. Non, c'est toi qui fait ça. C'est terminé. Tu me connais trop bien. Aïe, 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 18. 18. Non. Fucking go. Putain, premier set. 1-0. Bien joué. Pour Domingo, changement de côté. Ok, 1-0 pour Domingo, changement de côté. On remet tout ça à 9. Alors bien évidemment, c'est les règles de la Summer House. C'est où? Pourquoi les gens étaient à 9-9?
Ah, parce qu'ils veulent pas t'accorder ce point. Ah ouais. Évite de rattraper les balles même si elles sont sorties. Okay. Je laisse comme ça. Ils ont dit non, gérer. Parce qu'on n'est pas en balles limitées quand même. C'est vrai qu'on n'est pas en balles limitées. Non, mais c'est la règle. Il y a les balles à l'eau qui reviennent. C'est la règle. C'est la règle. Si tu vois un micro d'ailleurs, je... Ouais, il y a un micro commun déjà prêt pour ce genre d'intervention. Qu'est-ce qu'ils font les autres alors? C'est la règle. Hein. Si... Ils font quoi les autres là? Le public il est où là? Attention, attention. Le public est sur le chat, ils sont vraiment en folie. Hein. Team Domingo, Team Domingo. Ah ok, ok. Attention. Ah, voilà. Ouais, vous êtes sérieux? 7-0, tu... là j'ai le momentum, joue. Alors oui, hein, pour les services croisés, c'est uniquement en double. Hein. Ouais, en simple, on peut servir où on veut. 1-0 pour. 0-1. 0-1. Oui, 0-1, pardon. Nul. Bien joué, Sagan. Un partout. 1-1. Ouh, il a tenté la claquette. La claquette, la claquette quoi, ça passe pas. J'avoue. 1-2. 2-1. 1-2. Oh. Aïe, 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 aïe. 3. On rappelle, un like et notre page, un ping-pong passion. On va lancer cette page. Out. Il livre de ouf, lui. 4-1. Ce côté-là, c'est parce que c'est plus OP, quoi. Out. Attention, PA. C'est du 5-1, là. C'est mais du 5-1. La pression... Je t'ai dit tout à l'heure, je suis rentré dans ta tête, je sais quand tu vas jouer. Je savais. Bien. Ça tombe bien, je te connais par cœur aussi. Monsieur Balavo. 2-5, dernier service, Domingo. Oh. Out. Aïe aïe aïe. Coup dur. 5-3, service, le roi bisou. T'es bon, hein. Tu fais toujours le même service de connard. 6-3. Out! Belle agression, très très attention, beaucoup droit. Cette fois-ci. Non mais il me fait son regard de maître chinois. Mais ça compte. Fake. Ça compte. 3-7. Oh. Wow. Oh. Elle est belle. Elle est belle. Décroisée. Oh, on est obligé d'aller chercher les coups de temps. On prend des risques. La balle, hein, les c'est parce que les cartes se forcent à faire ça. Il faut le replay là. Il faut le replay là parce que là c'était waouh. 4-7. Je suis vrai. Je me crois au tennis. Il va lancer les balles au petit ramasseur de balles. Vas-y, ramasse là. 4-7. Ah! Ça va faire de gagner, c'est d'accord? Il y avait c'est un petit effet dans cette balle. 5-7, 7-5, service le roi bisou. Excuse-moi, et ça est oui. Bonne! La peur de gagner a mis cette lettre. 7-6, attention, un point qui vous sépare. Wahé! Eh! Wahé! Ah! La 7, pression 7, est à son compte. 7-7, Domingo qui revient de très très loin sur un très beau coup droit lors du quatrième point marqué. Hey. Dommage. Non. Le Wahé qui est invaincu. Le Wahé il est trop fort là. 8-7 dernier service. Non mais le Wahé. Le Wahé. Le Wahé. Et non, le Hit qui est différent. On n'utilise pas la même tactique. Alors que le Wahé. Le Wahé nous aurait permis de partir si loin. 8-8. Que va utiliser sa corps. Il réfléchit. Le coup du maître chinois au service. Non, ça passe pas. Oh, il tente. Le hi qui est bon. Ah, 9-8 pour Sakor sur le chat. Vous pouvez toujours hein, acclamer votre joueur favori. Yeah. Magnifique point pour Sakor. Balle de 7. Et c'est 18 balles de 7. Et 11-8 en plus au premier. Magnifique. Wow. Bon rattrapage. 9-10, dernier service. Je grid. C'est le grid, ça, mon père. Un partout, messieurs. Je vous rappelle que vous pouvez réclamer une petite pause de 15-20 secondes pendant chaque manche, chacun. Et pour l'instant, personne n'en a fait appel. Le mais il y a un partout. À 20 attends, km je vais monter. En direction de oh, ah bah ça réclame les 15 secondes. Du côté de Sakor Ross. Je vous demandais un timer. On est à 10 secondes. Un partout, messieurs. 0-0 score pour impressionné, cette troisième manche. 4 secondes encore. Les vrais pongistes, hein, désolé, on est un peu naze. Oui, non, mais bien sûr, genre, on fait pas du ping-pong en club. En mode... Non, mais il aurait été impressionné, c'est comme le championnat du monde, ils se disent ouais. Putain. C'est vrai, t'as mis ça du coup en score. Hein. C'est première championnat victoire. Du monde final. Ping-pong. Domingo, première manche, 11-8 victoire Domingo. Deuxième manche, 11-9. Hein, donc, il y avait bien 2 points d'écart de base. Mais sinon, oui, on applique la règle des 2 points d'écart. C'est parti. Bien sûr. Oh. Mais je crée du jeu, ça va payer, tu le sais très bien. C'est vrai. Tu sais que ça va payer dans cette game set. 1-0. Ça, c'est un partout. Tu vois là, il la reprend en oui, dehors du terrain. On comprend du bien. Du coup, point pour moi. On comprend bien. Du coup, 2-0. 2-0 PA, bienvenue à la Summer House. Je suis naze à faire ça. 3-0 PA, bienvenue à la Summer House.
tout est scripté, les gars. Il y a 14 œufs là. 2. Normalement, t'en mets 2 la pierre. Quoi? Deux, pardon, tu vois. 3. Aïe, aïe, aïe. Il m'a fait du mal. Hein. Mais remer... c'est ça, des c'est, pas, c'est pas un ami lui. Il a fait du mal. 3. Oh. Non, merci. Un peu de gâteau. Un peu de gâteau. 2-3. 2-3. Moi j'ai un match à suivre. Hein. Oh. Allez. 3-3, messieurs. Changement de service. J'ai été déstabilisé par le gâteau. D'accord. Allez, continue, continue, DF. Oh, yes, bien nommé. Quelle chance, messieurs. Ça commence à se dessiner, ouais. Oh, mais c'est quoi ce bal? Elle y va. Parce que je sais pas si vous arrivez à bien remarquer ça, vous, ouais, derrière votre écran. Mais t'as vu ce qu'il fait sur sa... 4-4 sur sa raquette, lui, là. C'est lui, là. Le chinois, là. Oh là 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 là. Putain, il va, il va. 5-4. Il n'y a pas la fermée, cette raquette, là. C'est trop ouvert, c'est, encore. Des fois, t'as un bon tourné de poignet. 5-4. Bonjour, Gob, bon réveil. Salut, dormi, Gob. 5-4. Il y a 1-7-1, là, plutôt. Attention. 5-5. C'est ok, c'est ok. C'est accepté. C'est accepté. Attention quand 5, même à la glissade, merci. Les techniciens sont en train de réparer le terrain. Si on peut éviter, oui, si on peut un peu décaler ce petit bloc. J'ai peur que notre joueur, voilà, venant tout droit de Paris, se blesse. 5-5. C'est parti, 5-5. Oh. Tout en douceur. J'ai tenté le service en douceur. 6-5. Oh. Oh. 7-5. Allez, oh, belle. Messieurs, ne vous embêtez pas avec les ballons. Hein. Ne vous embêtez pas. Enfin, avec les balles. Putain. Oh là, c'est 8-5, attention. Ah, c'est à 8 quand tu commences à avoir 3 points de retard, c'est dur. Le but, c'est psychologique, hein, c'est dans la tête. Faut pas craquer, d'accord. Faut pas craquer. C'est rien. 9-5. C'est un réveil. C'était mon réveil, messieurs. Pardon, excusez-moi. Au cas où. Ouais, il est 18h. Oh, 9-6, n'est pas terminé. En jouant, petite balle de merde. Oh, j'étais dessus. Ça paye pas. On y va. T'es pour qui, toi? D'accord. Ah, depuis okay. Tout à l'heure, c'est pour moi. Oh, c'est la deuxième, PA. C'est la deuxième. Balle de 7. Ah, mais j'agresse. Ouais, c'est vrai. Tu crées le jeu. Tu vas agresser un peu? Tiens, mais agresse un peu. Qu'est-ce que j'agresse là-dessus? Agresse. Voilà. Oh, t'as pas de quoi agresser. 11, c'est bien. 7, messieurs, du coup, 2, 7 à 1 pour... On va écrire l'histoire. Domingo, on est en train de vivre un moment marquant. Un moment on rappelle, extrêmement important. Du monde. Voilà. Dans le streaming français. Attention, messieurs, je rappelle les scores, 2-1 au niveau des 7, donc... 7 potentiellement de match. Merci de soutien, du soutien, frérot. Hein, le dernier 7 de ce match, si Pierre-Alexis parvient à le valider, 11 points. C'est parti, messieurs. Allez, allez, 0-0. T'es à domicile, faut forcément qu'il y ait quelqu'un pour le challenger. Oh là là. Oh là là. Oh, elle est belle. Putain de session, frérot. Ping-pong passion, ping-pong passion. C'est du 1-0. 1-0. 1-0 pour Monsieur Bizo, le russe. Oh. Non, mais non, putain, ça t'es nul, je change d'équipe. Allez, PA. 2-0. 2-0. Bien, ça corps. Il a hésité entre t'as vu, t'as... Il me comprend, il me comprend. 2-1. Tiens fort sur lui. Fort. Moi, ça fait pas des pics, moi. Ouais, parce que tu tapes pas assez fort. Non, moi, ça va. 1-3. 1-3. Oh non. Faux. Oh non. Pardon. C'est la tentative. Ouais. 4-1-4. Ouais. Waouh! Il est trop agressif. 5-1. C'est pas fini, d'accord. Réfléchis. Je vais récupérer mon titre, mec. Commence à mourir, commence à mourir. Je vais récupérer mon titre. 5-1. Et il y aura plus de matchs pendant 4 ans. Voilà comment ça va se passer. 5-1. Okay. Oh! Oui, d'accord, oui! C'était tenté, ça, pas mal. 5-2, oui. Dernier service. Domingo. D'accord. On y va. Oui, ça c'est bon, ça. C'est bon. Ah, c'est incroyable ces ballons, par contre. Elle c'est va vite, elle va vite. 2-6, ça, on la brosse. 6-2, changement de service. Oh, bien joué. Ça, c'est du saccord. Placé, oh. Très bien joué. C'est glissé, c'est placé. 3-6, dernier service. Hein ah, let's go. Tu vas l'avoir, tu vas l'avoir au mental. Tafle encore. 6-4, premier attends, service. Juste donner un petit mot dans l'oreille. Domingo. Bien sûr, ouais. Il a droit de prendre ses 15 secondes avec son coach. Hein. C'est bon, c'est bon, il y a un match qui est passé. C'est le coach Rodrigue. 6-4. Non. Je suis quand même grand champion de tennis de table. Ça va, hey, tu fais quoi là, c'est pas ce côté. Non, j'étais pas prêt, j'étais pas prêt. Tu vas la refaire? Non. 7-4. C'est un biais. C'est un biais, je mets un point de plus. Putain, mon let's go. Out. Il a trop bien. Le renvoi était ouf. Elle est revenue. Le renvoi était ouf. J'ai vu le...
Combien? Excusez-moi les gars, on vous fait chier. Ah toi t'es en train de gratter des points. Il essaye de me tutoyer. Service s'accord. 5-7. Out. Je suis à 3 points. Je suis à 3 points. 5-8. T'es mort. Prends. T'as toujours eu peur de la victoire. Oh, mais oh c'est risqué. Ça c'est risqué. Aussi mal. Oh là là. Pas grave. Du BM. Du BM. Messieurs, 9-5. J'arrive pas à le faire. 9-5. 9-5. C'est dur. C'est très très dur. Bon, 50, c'est bon. Tu reviens, 50. 9-6. Tu reviens. C'est de créer du jeu, c'est peut-être un peu dangereux. Oh non. Balle. 4 balles de match. Domingo. Aïe, aïe, aïe. 6-10. Deux services, s'accordent. 60. Les gens vous trouvent nul. Ah ouais? Non, ils sont bons, vous êtes bons. Bon, on est pas très bons. Le mec sympa, tu sais. Vous êtes bons. C'est pas grave. Non, il y a juste Thomas qui vient du 7-5 qui fait du. Let's ah, c'est let's. Oh là, ça aurait pu être la fin sur ça, quoi. Let's. C'est pas Thomas. Hein. Je vais juste oui! 7-10. Je pense que t'as pas le mental. Bien, monsieur Ross, bien. 8-10, changement de service. Service Domingo. Deux services. Oh non! Fin du match! Putain, elle y va! 11-8. Elle y va. 3-1 au score sur ce BO5. Oh là 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 là. C'était dur. Saccord, un petit mot d'abord, Saccord. Il a été meilleur, faut dire la vérité. Qu'est-ce qui a changé il a été très, très en bon. Si peu de temps qu'est-ce qu'a il a eu l'ascendant psychologique sur le troisième set. Donc un match de Domingo, c'est toujours dans la tête. C'est toujours dans la tête, toujours le mental. Le premier set était important. Le vrai set était très important. Domingo, il a récupéré. Ouais, j'ai pas senti Saccord rentrer dans son match. C'est vrai. Beaucoup de. Non, ça me souffle. Qu'est-ce qui lui a manqué à sa corde? Ce qui m'a fait du mal, c'est le AE. C'est vrai que le AE, je pouvais rien faire. C'est vrai que mon coach, on l'a bossé, on a vu que c'était une faiblesse chez sa corde. Le AE, je pouvais rien faire. Genre, c'était. On réclame des balles à l'eau. Parce qu'ils ont adoré les balles à l'eau. Bah, c'est sa corde qui va les chercher d'ailleurs. Ouais! Allez, sa corde, pourquoi pas? Il faut juste poser le chef. Juste enlever le micro, c'est bon. Ah non, mais ça me tombe, ça va jusqu'au l'eau. Non, entièrement. En vrai, t'as pied. Non, t'as pied, mais. Est-ce que tu sais plonger? Si non. Tu tiens à ton, ah, tes vêtements, faut les enlever. Je sais pas plonger quoi. On peut te sortir de ce call. on va escorter monsieur hors du call. Je suis blessé, les gars. Je suis blessé. À la base, c'était. Il y a beaucoup de gens qui veulent le voir à l'eau, et ça a fini. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé le bal à l'eau. T'es vraiment l'américain. J'ai vu la tête de 5 ans sur moi, je vais pas lui faire ça. Donc le bal à l'eau a bien marché. Un très beau bal à l'eau. C'était un petit match comme ça, justement, avec sa call. Mais c'était marrant. Peut-être que voilà, on fera quelques balles de temps en temps. On s'est pas trop servi de la table de ping-pong au final. Clairement. Bah ouais. Or que bon. Oh, Gov DFG. Attendez. Un set gagnant. Non. Un set gagnant. Après, un set gagnant. Messieurs, Gov DFG, est-ce que je t'équiperais pas mais... déjà? Il faut prendre le micro on déjà. Équipé, là, on est équipé. Attends, tiens, je t'équipe tout de suite. Non, t'inquiète. Vous pouvez faire votre set supplémentaire. On joue juste comme ça quoi. Mais par contre, nous on est vraiment nuls là. Ah non, il y a un set. Ici c'est compète ou rien. Vous avez l'air d'être des génies à côté de nous. 0-0, messieurs, ça se jouera en un seul set. 11 blagues. Est-ce que j'ai pas touché une raquette? Vous avez tous les deux votre coach. Tiens. Merci. Ils sont en train de se mettre en place. Vous pouvez parier sur le chat. Je vais avoir une de ces gueules. Voilà. Non, mais monsieur, je viens juste, juste de dire que vous étiez nul. Le mais... boss, c'était le boss. Plutôt Gomme ou plutôt DFG sur le chat. Je suis pas voir pire que. J'ai rien à faire. Déjà vu l'entraînement, mec. C'est la balle de service. Ça se voit, c'est des tickets au ping-pong. Je crois qu'il a pas vu les mêmes balles que moi. Quelles sont les règles pour le service? Alors, pour le service, vous avez servi chacun, vous pouvez servir où vous souhaitez au niveau de la table. Alors, balle de 3 et ça sera tout simplement le gagnant de cette balle. J'ai eu peur de la balle. Waouh, c'est du gros match. Oh, tentative de smash service. Bien sûr, j'ai pas besoin de ça moi. Chaque point est important. Let. Oh la passe. C'est du let. Let. C'est remonté sur les filets quand même. Voilà mon DM! Balalo! On a photographe à l'eau également! Et c'est combien? C'est deux balles à chaque fois? Il y a le boss! 1-0! C'est deux services chacun! Deux services chacun! Dieu! Ta graisse, tu crées! Dieu! Aïe! C'est deux! Tu lui mets le permis! Il est trop fort! 2-0, changement de service! Oh! Excuse-toi! Non, je m'excuse pas! C'est le talent! Excuse pas! Oh là là! 2-1! Ton poulain faut que tu l'appelles! Voilà! 2-2, c'est bien, gars! Non, mais c'est le service qui est dur! C'est de l'happening! 2-2! Pas mal! Oh la vache! J'ai mis avec ma main! Je me suis dit! Il s'est dit cette balle ne devait pas revenir! Il n'y a pas un revers à deux mains! 3-2 dernier service, Gob! Matchlou! Oh! 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 J'ai été surpris! J'ai été surpris! J'ai perdu un clou par contre! C'est le boss! Il l'a pas fait exprès, non! Il l'a dit! En vrai, il a trébuché et la raquette s'est retrouvée là par hasard! J'avoue, j'ai bien joué! 3-3! 3-3, messieurs! Le fameux coup de la faille morte, on en parlait hier!
Et juste après, ça repart. Non, t'es bon là, Gob. Lâche rien, lâche rien. Ich. Dommage. Ah, oh, dommage. 3-4. Enfin, 4-3. Dernier service, DFG. Ok, 4-4. 4-4, changement de service, messieurs. Ah, c'est trop bien. Je suis vraiment naze. J'adore. Moi aussi, donc ça tombe bien. Ah, trop fort. 5-4. Ça, c'est Gob, ça. 5-4, Gob. Ça, c'est Gob GG, ça. Ok, ouais, c'est de la merde après. Ça, c'est le retour de service. 5-5, c'est dur. 5-5, changement de service, DFG. Oh, what? Oh, arrêtez, monsieur. Mais Gob est incroyable, là. Il est trop fort, mec, il est trop puissant. Continue comme ça, Gob. 5-6, dernier service, DFG. Wow, oh, c'est bon, on l'ascendant psychologique. 7-5. Premier service. Ich. Out. Ah, faut toucher la balle. C'est bon pour lui, hein. C'est 7-6. 6. Agression. On vise les nets maintenant. 8-6. 8-6, changement de service, messieurs. DFG, 2 services. Le réveil du coup. C'est le réveil de sécu. Le triple réveil. 8-7, merci, assistant. Non, ça ne passe pas, monsieur. J'ai vu que ça passait pas. 9-7 actuellement. Oh putain, c'est de la merde. Putain, mais je suis naze en fait. 17, c'est ta balle, c'est ta balle. Boum. Oh, j'ai vu une. Oh, tu renvoies, c'est tranquillement. Bien, oh, c'est beau. Tu l'accompagnes. Ah, ah merde. C'est beau ça. Tu come back. Dis-moi des mots doux. Dis-moi des trucs. 8 changements de service, 2 services. Il m'a dit je baise. Ouais, j'ai entendu le tu le baises. Oh, non, oh, oh. Il y a eu déstabilisation, si je peux me permettre. Déstabilisation, Déstabilisation, c'est accepté par la déstabilisation. Je t'ai regardé rouge, service DFG. Bah, il s'est caressé concentré. Il est en couleur vivante. Non, t'avais caressé concentré, tu feras pas, Gob. 8-10, à rejouer. Je vais full choke maintenant et je vais perdre. Non, dis pas ça. Ah voilà. Voilà, c'est ça. Bien joué. Non, Gob. Bien joué. Bien joué à moi. Je la connaissais pas, cette strat. Non, mais t'auras le droit aussi à une déconcentration. T'inquiète. Service DFG, 9-10. Ah, pardon. Attention. En plus, allez. Il triche. Là, tu le règles. Tu le règles. Oh, le mec a volé, c'est là. 11-9, victoire de Gob. Bravo, GG. Les deux joueurs qui ont serré la main, bien évidemment. Bien joué, mon ami. Deux moments durs. Incroyable, ce match. Vraiment, les deux meilleurs joueurs de France, je pense. Voilà, la tambour était bonne, c'est mon peu. Incroyable, tous ensemble. Ça joue quelques petits balles. On a vécu un moment incroyable tous ensemble. Donc, je rappelle, si vous venez de nous rejoindre, il y a eu un BO5 en plusieurs manches de 11 points, remporté par Domingo sur le score de 3-1. Et juste après, on a eu... un match en un simple set de 11, gagnant Gob sur le score de 11-9. Calmez-vous, monsieur. On va pouvoir enchaîner avec la suite du programme. Il est 18h10. Il a pété un morceau de son truc. Ce soir, qu'est-ce qui se passe? À 19h, il y a le blind test. À 20h, vous avez la soirée Masterchef. Vous allez voir, ça va être assez incroyable. Et en attendant, vous avez prévu une autre petite séquence, mais ça sera quand ces messieurs auront décidé d'arrêter. On peut passer à la suite. Que tu peux nous tasse, Vico. On passe à la suite. Ils sont déjà prêts. On vous les envoie. Sean et Nono, à vous de jouer. On est bon. Merci, Dwag Beat. La réalisation est parfaite entre la régie derrière et Dwag Kitos. Mais on est parti effectivement avec Nono. On a enchaîné un peu en directement lançant la queue et en Champ Select. Du coup, pour cette petite session, j'espère que vous avez aimé le ping-pong avec nous. Nous, on a un peu regardé, on est un peu spectateur aussi de cette action. Et je crois que Gob a été très bon. C'est vrai que j'ai raté ça, mais Gob, je crois qu'il a été très bon au ping-pong. Et en général, Gob GG m'impressionne. C'est vrai qu'il a des activités où il est très fort, des activités où il est très nul. Tu vois, il a pas le juste milieu. Non, tu vois, c'est pas genre le mec qui est moyen quelque part. Mais ce que j'aime bien, c'est quand Gob, tu vois, genre même s'il n'est pas très bon, il dit quand même, oh, bah, d'accord, je vais jouer, mais je suis pas bon. Alors que genre toi, moi ou n'importe qui, quelqu'un d'humain, pas un murloc, va dire, bah non, je suis pas bon, j'ai pas envie de jouer. Genre en mode, je ne sais pas jouer à ce jeu. Et c'est très marrant d'avoir la personnalité de Gob à côté. En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir de partir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ensemble, Nono aussi. Tout à fait. On a casté ensemble il n'y a pas si longtemps. Oui. Mais on n'a pas joué. Et casté n'a pas joué. Et si je me trompe pas, je crois qu'on est les deux meilleurs en Elo de la Stream Team. Eh oui. Ah oui, c'est vrai que là, t'es en BO pour Diamant 1, je crois. Exactement. Donc là, t'es à 1-1 dans le BO Diamant 1. Tu peux encore rester Diamant 2 si jamais on fait non, le game. Non, s'il te plaît. Mais sinon, tu peux la gagner. J'ai envie de te rejoindre. J'ai fait partie des grands comme toi. Écoute, je te propose une Cassiopeia. Donc, j'espère que t'es rassuré. Hein. C'est vrai que j'aurais pu partir sur un petit Lucian. Mais Cassiopeia me paraît beaucoup plus sexy. Toi, tu pars sur Volibear. Ok. Bah, ok alors. Non, j'essaie de regarder quel était le jungler en face. Toi qui as une excellente connaissance de League of Legends, est-ce que tu peux deviner qui est le jungler? Le jungler. Ah oui, bah, c'est du dodge. Non, c'est Rumble, je pense. Ah, no joke.
C'est Rumble. C'est Rumble. Rumble in the Jungle. Est-ce qu'un Lee Sin te va? Lee Sin, c'est toujours champagne. Lee Sin, c'est pas mal. Les gens aiment bien voir un Lee Sin. Lee Sin, c'est bien. Je me fais full insulte et le move d'après, je me fais full grit. Genre, on avait regardé avec Full Sisai. On avait regardé avec Doug le chat comme ça et genre tu pouvais regarder juste avec leur réaction quel move était à l'écran juste avant. C'était un bon move ou un mauvais move? Bah en fait tu vois genre grosse merde, t'es vraiment nul, OMG, pourquoi il est pas coach et tout. Et après de l'autre côté t'avais genre OMG, Jean-Claude Van Damme, etc. Ah d'accord. Et parce que la régie s'amuse pas mal aussi, Nono, je sais pas si t'as remarqué. Oui j'ai vu, ils prennent des libertés, ils ont raison de le faire, hein, parce que parfois on est un peu en déche, surtout avec Gob, là on a fait un petit coaching à un moment, je t'avoue que c'est pas très bien passé, heureusement que la régie nous a sauvé la vie, sinon dans une game un petit peu merdique et ça sera un joli dodge. Yes, il y aura pas de la Cassiopeia. Oh non, dommage. Ah non, je vais pas te montrer mon beau jeu sur Cassiopeia. C'est vraiment bête. T'es en train de rater quelque chose, hein, je pense vraiment. Surtout que là, en fait, j'ai des choses à prouver au reste du monde que je peux jouer Karigade. Parce que j'ai essayé de coach Gob. Ouais. Tu sais, coacher quelqu'un en Karigade, c'est extrêmement dur. Faut avouer quand même que le rôle de Karigade n'est pas facile. Il dépend des autres. Un peu. Donc évidemment, je me suis fait un peu full trash en disant waouh, c'est quoi ce coach en carton, etc., etc. Donc là, il faut montrer que, ok, je suis peut-être un mauvais coach en tant que Adekari, mais en tant que joueur de Adekari. Alors, non, t'es pas un mauvais coach. Je suis aussi mauvais. T'es pas un mauvais coach en Adekari, non, non. Ça, je te permettrai pas de le dire. C'est en gentil. Tant qu'ami, je te dirais que t'es très très bon coach. Et en tant que mec honnête. Je suis très très bon coach. Okay, moi, il faut savoir, je suis quelqu'un d'honnête. Non, non. Genre, voilà. C'est rare que je. Même quand je pense quelque chose de t'as mal. Je préfère le dire. Ok, parce que c'est 3 ans que je te connais, j'étais pas sûr. Mais ça fait plaisir que tu me. En fait, je t'aime pas. Voilà, ça fait. À chaque fois, on est dans tous les projets ensemble, mais je t'aime pas. Non, non, il fallait que je te le dise. Mais non, voilà, on est parti. Petite session juste après, comme vous l'avez vu. Il y aura le blind test, peut-être un petit truc entre les deux en attendant. J'espère qu'on aura juste le temps de le faire. Mais est-ce que ça vous a plu le ping-pong? Dites-nous sur le chat, parce que nous, on n'a pas eu trop le temps de regarder le chat. Et mon cher Vicou, on peut remettre un petit peu la prog aussi, la prog de entière, genre juste pour que les gens qui viennent ici sachent ce qu'il y a demain. On va montrer ce qu'il y a ce soir et demain. Voilà, on a donc comme vous le voyez le duel avec LRB. Donc là, on est entre Domingo et LRB le duel et le blind test où du coup on a rajouté une petite Dioku avec Nono. Ouais. Surtout parce qu'on n'avait pas joué ensemble et parce que tous les deux on est en D1. Et puis ouais, on a envie de jouer ensemble, qu'on a envie de classer notre petite, placer notre petite solo queue. Oui. Oh, t'es jungle. Et moi, je suis bot. Jungle bot, oh. Allez. Et du coup, voilà, demain, on a vu qu'il y avait Olympiade, tournoi 2v2 du coup de l'équipe et tournoi 1v1. Il y a pas mal d'affrontements entre nous, la Stream Team. C'est la journée des affrontements. Ouais. Et on finira en beauté avec un best-of qu'on vous a un peu concocté pour essayer de retracer les moments que nous avons vécu ensemble. On a vécu quand même beaucoup de choses hein, depuis le Milk. Hein. On a vécu énormément de choses. Je peux rejoindre la Summer House à. Ah. Quoi? Bah là, il y a un mec qui a écrit, je peux rejoindre la Summer House. Là, on dit oui, on est des gens accueillants. Bienvenue. Bravo, tu fais partie de là. Et par contre, il faut pas oublier de mettre le hashtag. Hashtag Summer House. C'est parti de l'hashtag Summer House. Alors, comment vous dites house d'ailleurs? Parce que c'est un petit débat qu'on a eu, mais avec Nono, on en a parlé un peu. Parce que normalement, tu écoutes de la house, mm-hmm. Tu dis house quand vraiment, tu vois, genre tu débutes avec le français et l'anglais. Et un Pokémon qui s'appelle Miaouss. Donc du coup, je me poserai à chaque fois la question... Comment est-ce que tu dis Miaouss? Comment est-ce que tu le dis? Aous. 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 Non, Aous. 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 Il y a un mec qui a écrit ban. Non, non. Ban, ok. La summer ban. La summer ban, bienvenue dans la summer ban. Non, Aous, ouais, tu dis. Aous. Aous. Club Mix Aous Featuring. Il dit comment Florida? Welcome to my house. Ah, c'est vrai. Je compte sur la régie évidemment pour nous envoyer une musique de Florida. Et hop, on leur rajoute des trucs là discrètement. House, si j'avais pas assez de choses à gérer. House of Cards aussi. C'est vrai. House of Cards. House of Cards. House. Ça fait genre très naze. Imagine sur Netflix, ils vendent le truc. And we are going to see. Ils sont bons. Allez, Fire House. Du coup, on tape toute la musique parce que le refrain est à la fin. Hey, c'est à la fin, House. Ça va, tranquille. Ok, ça va. C'est bien, on met un peu de musique là. Ton nom me dit quelque chose, Nono, t'es streamer, non? Oh. Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive à mes heures perdues. Je cumule plusieurs casquettes. Les gens qui disent laissez, mais laisse la musique. Ah! Là! Out. Welcome to my house. J'ai pas l'impression qu'ils font out. Eux, ils disent juste out. Welcome to my house. J'ai dit my house. Welcome to my house. Parce que c'est un quinri. Il dit genre welcome to my house. My house. Yo. Mahalo. Donc tu prends quoi? Mais t'es en bottom, Nono, donc pique pas Cassiopeia. Je vais en bottom. Je préfère Adekari. Pas de bol. Il préfère. Il est quoi? Il est mid? Aucune fucking idée.
Tu joues contre Tristana. Tiens, je vais lui mettre un peu de rythme avec un Lucian. Je vais jouer une Lucian sans river en fait. Quoi? Quoi ou non? Ok, ok, Gob qui a vu un peu ce qui allait se passer. Est-ce que les gens ne savent pas, pas encore ce qui se passe sur Masterchef? Ah oui, ils savent pas ce qu'on va faire ce soir encore. Bah, je sais pas en tout cas. Mais donc, du coup, ce soir, vous pensez que c'est quoi en fait le chat un petit peu? La soirée Masterchef? Ouais, soirée Masterchef. Je pense que la soirée Masterchef, c'est. Une soirée Masterchef quoi. Voilà, il y a beaucoup non, de gens bah, qui ont regardé. Oui, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont sur TF1, Masterchef, Top Chef. Mais c'est pas pareil. Eh non. Eh non, parce que c'est la Summer c'est House. C'est la Stream Team Masterchef. La Master Stream Team Chef. Oh, oh, mais t'aurais pas un nouveau nom d'équipe? Ouais. Allez. Nous sommes quoi? La Master Stream Stream Chef. Qu'est-ce que je t'arrive après? Ouais, c'est dur. Nous sommes quoi? La Master Team Stream Team Team Chef. Ouais, c'est un peu chiant quand même. C'est un peu chiant. Nous voilà l'émission de ce soir qui sera proposée et avec un invité. De marque. De marque, d'exclusivité, effectivement. C'est vrai. Donc on rappelle, pour ceux qui nous rejoignent... Mais attends, mais il se passe quoi? On entend des bruits bizarres dans notre casque, on entend des... Faudrait peut-être leur dire que leur micro est allumé, ouais, parce que d'entendre des... C'est juste pour nous, bon, ça va. C'est juste pour nous, bon, ça va. Alors. Parce qu'en fait, pendant qu'on parle, on entend des balles de ping-pong et des cris, en fait. Donc après, à vous de voir si vous voulez le laisser. On rappelle l'enjeu. BO D1, t'as combien de points en D1, Nono? Alors, quand je suis arrivé, j'étais à 90, maintenant je suis à 40. T'es arrivé à la Summer House? Ouais. Ouais. Bon, ça va. C'est le challenge, bien sûr, ça va, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc là, il faut absolument qu'on gagne, évidemment, pour Shones. On rappelle qu'il est à 1-1 actuellement dans le BO pour Diamant 1. Donc tout peut se jouer, évidemment, maintenant. Bah, je veux garder ma place de deuxième meilleur Elo de la Stream Team. Sachant qu'on s'est fait un peu vanner. On s'est fait un peu vanner par Partio, je sais pas si vous avez vu, qui a dit, évidemment, que notre Elo bronzait plus rapidement que notre peau. Exact. Donc voilà, c'est peut-être le moment, justement, de prouver le contraire à l'ami, l'ami Tio. Et j'aimerais bien récupérer le tapis de souris, c'est ok pour toi, parce que c'est le mien. Ah, et voilà, c'est... j'ai besoin du tapis de souris. Quoi. Prends, regarde, il est là. Oh merci. Hop là, je te l'ai donné. Je préfère le tapis de souris sur la table plutôt que sur ma tête, mais merci à toi. Ouh, il est un peu mouillé. Ouh, il est un peu mouillé. C'est pourquoi? Ça, c'est Sakoros, ça. C'est Sak-Sak. Oh là là, Sak-Sak est venu faire une performance avec le thé. Et il a quand même le dédain d'en redemander un second. Le dédain. C'est ça. C'est-à-dire que... Enfin, je sais pas comment vous êtes avec vos parents, vos amis, etc. Mais si je vous jetais un thé par terre, vous pouvez pas en redemander, est-ce que je peux avoir un autre thé? Ah, il a demandé un autre thé, le coquin. Genre, une minute après. Bah, le mec, j'ai pas eu le temps d'en profiter. Bah, tu m'étonnes, t'as tombé par terre. Bâtard. Ouais, bah ouais, normal. Il y a eu plusieurs réponses négatives. Et le thé ne lui a pas servi, puisqu'il a perdu contre PA, on le rappelle, hein, sur ce match. Championnat du monde. Un championnat du monde avec beaucoup de joueurs. Ils étaient deux. Et ils sont arrivés du coup directement en même temps, à PA, tu fais pas. Ok, allez, en avant. En avant, en avant. Du coup, en avant. On a une queen mid. Archi stylé. Et on joue contre un ancien joueur LCS, Nodo. Ah bon, c'est qui? C'est Werlib. Ah, ouh. Qui joue Nunutop. Ah, ça va, heureusement, il est pas jungle. Non, mais si, il joue Nunutop, c'est que... C'est qu'il est pas mauvais. Chef, oui, chef. Ah oui. Bon, Lee Sin, j'espère que Vico et la régie t'es prêt, parce que là, du Lee Sin, Lucian, il y aura du plays. Hein. Je te dis... Pour ceux qui regardent la Summer House, ils doivent savoir qu'il y a une invade. Ça, Summer House. Carry on. I'm on in a... Attends, on fait une invade, ils étaient deux ici. Hein. T'as démarré au A? Bah, pourquoi? Ouais, je voulais démarrer au shield. C'est pas mal de démarrer au shield au Corbin. Ouais, après t'auras pas d'aide donc. Comment ça, j'aurais pas d'aide? Ah bah, j'ai pas mes d'aide. Je mets pas du tout. PLP de boss, je peux te dire qu'il va pas t'aider. Hein. Oh là là, j'essaie de la pousser. Je la pousse, ah, je la pousse! Oui, c'est pas mal. Et là! Il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, et je vais le chase. Tout et je vais le chase. Ah, ouais, ah bah là, je le lâche pas. Mon pote. Mais je te lâche pas et t'as pas de flash. Bah, ça va être un first blood pour moi. À moi que. Mais je veux pas. Parce que moi, je suis un mec à la base sympa. Ah, c'est cool. Je suis un mec sympa. C'est sympa. J'ai volontairement raté Thanks, mon Q. Lee Sin, you're the one. Par contre, il faut qu'il m'aide là. Unlikely, t'aurais pu me laisser l'assist. Madame Queen. Madame Queen. Selfish. Allez, on est parti du coup directement dans cette game. Désolé, ouais, c'est facile. Facile d'être désolé une fois que le mal est fait. Ok. Allez. En avant. Allez, mon nom. Sachant que toi t'as récupéré 30 gold sur ce First Blood. J'ai récupéré, ouais, c'est ridicule. Du coup. Mais ça va mettre bien la Queen. Et c'est avant tout, c'est ça, hein, c'est un peu comme un bassiste dans un groupe de musique. Faut savoir faire jouer la bonne corde pour que le rocker brille. Et aujourd'hui c'est toi le rocker, non? Ok, bah non, parce que j'ai pas le First Blood, donc c'est Queen. Voilà, c'est toi Queen.
Allez, Kouinou. Ouais, t'as bien. Je ne sais pas comment c'est l'autre jungler. Je préfère te le dire. Je pense qu'il a démarré en haut parce qu'il a dû se dire j'ai un peu peur de l'invade en bot. Après 5 Azix. Bon. Avec toutes ces activités extra LOL, ça me fait bizarre quand on est sur LOL à chaque fois. Ah ouais? Ouais. J'aime bien, ça me motive moi. Justement, je me dis genre, ok, j'ai fait genre une bonne action dans la journée. Je fais du sport, je fais de l'activité. Bah, c'est vrai, c'est un peu comme ça que je suis remotivé à la salle de sport. En me disant que c'est cool, tu vois, genre je fais une bonne activité qui me fait du bien. Qui fait du bien à tout le monde aussi. Et du coup, je vais mériter de m'amuser sur LoL, tu vois. Pas en mode genre comme on était à l'époque, en mode full geek, en mode ah putain, yes, le PC est là, mes parents sont pas là, vas-y, vite, 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 je branche et je cours. Moi, j'étais comme ça. On le porte pas, mais. Oh! Y'a besoin d'aide? Non, non. En fait, en botlane, on va juste. Attends, excuse-moi. Pas plus de follow. Ils me disent t'as besoin d'aide, genre, et c'est pas cool, on joue ensemble. En gros, botlane, nous, ça va être ok si on arrive à l'époque. Il va flash. Ok, non. Il a flash? Non, mais il a jump. Ok, good enough. Good enough. Il a 3 camps. Peut-être qu'il a pas fait les corbes. Oh non! Mais attends, mais quoi, archiviste? Ah, mais elle a pris Warlord! Ok! Ok, c'est une Trisna Warlord, tout va bien. Toi, t'as encore une invade, toi! Putain, oh, mais oui, tu ne oui, lâches oui. pas, tu ne lâches et pas, Skazix! Je vais prendre ses gogo. C'est gogo. Après, il m'a peut-être brain. Tu me dis si, genre, là, je regarde pas trop la botlane, j'ai un peu la botlane est low, mais je pense pas qu'on puisse pas. Oh, attends, je crois qu'il y a Alistar qui décale, fais gaffe à toi. Ah, bah, je suis mort. Oh shit. Sérieux? Après, je sais pas si on pourrait partir sur un dive. Ah non, il back, ok. Ah ouais? Attends. Y'a que Ali Star? Y'a que Ali. Est-ce qu'on le dive? Bien sûr, on le dive. On le dive? Ah, ah non, y'a pas que Ali. Étonne, non. Oh, y'a pas que Ali, mais y'a plus le combo. Je vais sur Trist. Y'a plus de wave. Hein. Ouais, attends, je me cache, okay, regarde. C'est bon. Pas mal. J'ai pas de flash par contre, c'est la merde. C'est bon, c'est... Ok, cool. Plus de heal, c'est plus parfait. D'ignite. C'est... Deux summoners en moins, Nono, c'est offert, c'est gratuit. C'est parfait! Et je crois qu'il a même ignite, non? Ouh, tu viens de le dire. Oui, il a ignite, il ignite. Il doit vraiment faire attention ici. Ah, c'est le meilleur revu du jeu. Du siècle. Siècle? Oui. Elle le voulait, cette double attaque. Kha'Zix, c'était top, comme prévu. Et. Trinda! Nice! Oh! Et c'est quoi le joueur LCS alors? Alors, joueur LCS! Et en plus, il vit ou il suicide? Incroyable. Allez, suicide-toi! Oh, ah, dommage, nice try. Bon. Toujours encourager les amis, hein, Nono. Bien sûr. Première leçon qu'on apprend. Il est français? Tout à fait. Tout à fait. J'ai l'impression qu'on tombe plus avec des joueurs français de nos jours. Je sais pas si tu as remarqué. Des français, ouais, il y en a beaucoup. Genre, tiens, on tombe pas avec des grecs ou. Attends, des mais Turcs, elle m'a vraiment abandonné cette. Cette coquinette? Come on! Il a pas eu? No flash. Alistar. On a tué le mid. Pas de flash sur Alistar. Okay. Il a flash out ou in? Oula. Non, il a flash in. Moi j'ai push la lane du mid, Nono. Je ne sais pas où est le Kha'Zix. Probablement il va revenir vers ses corbins, qui était topside. Le trade est bien mesuré. On va se faire susu. On devrait y aller, hein, ma pote. J'ai envie d'y aller, j'ai envie d'y aller. Ok, j'ai pas envie d'y aller. Ils sont très très low. Ouais, je pense que je vais faire quelque chose. Ils vont back, ils vont back. Ok, ok, je vais steal le corbe. Là, leur jungle, c'est ta jungle, mec. Attends, ouais. Va, je vais back. Tout à l'heure, c'est trop bien. Kha'Zix a un train de retard sur moi, en fait. Ok. Il a je vais back maintenant, ce sera excellent. Ok, il a pas qu'un train de retard. Sachant qu'il n'y a pas de heal. Je sais pas si à un moment on aurait pas pu prendre un petit timing sur eux. Mais bon, on est pas trop mal. Toi, t'arrives à invade, c'est parfait. J'ai ma BF déjà. Je vais avoir la petite potion rechargeable. Genre là, je peux te dire que je suis au top de ma forme. Hein. Pour un carryadé, c'est le top. T'as l'air rassuré. Ça, avec le Kha'Zix, c'est trop marrant ça. C'est un poisson de ouf. Oh, merde, ça c'est moins marrant. Ça c'est moins marrant du coup. Je savais pas qu'il y avait la Talia. My bado. Talia décale. On va dire que c'était marrant qu'on puisse un petit peu se jauger. C'est ok. Tu trouves? Ouais, c'est ok. Puisqu'on a une queen, hein. Queen c'est vraiment relou avec la létalité maintenant. Et ça va rompre perma. Normalement, avec ses petits kills là, ses petits. Oh, c'est parfait. On l'engage. On va le chercher, on va la chercher, cette Tristana. Oh non, Queen. On peut peut-être avoir un kill de plus, Nono. Le Kha'Zix c'est toujours mid. Hein. Oh non, Queen est morte. Comment?
Ah, c'est ma faute. Mais que cookie. Mais que cookie. Pour l'instant, il y a toujours pas Kha'Zix en bot, vous êtes tranquille. Notre top laner il doit back, il est low HP donc peut-être Kha'Zix est dans le coin. T'es tranquille à l'heure actuelle. Ah. Ah, t'es pas prévu. Nice. Bien joué mon pote. Y'a pas de flash, y'a pas de flash, pas de flash. Ok, c'est aggro, j'aime bien. Je peux pas flow. Il y avait de l'idée. Kha'Zix doit être là. Ah, ah putain, il est parti top side. Kha'Zix toujours top. Mana. Ok, parfait, je vais pouvoir récupérer une wave. Ben, c'était chaud hein, comme trade. Heureusement que Syrsa a un peu flippé. Sinon, je pense que c'était la mort. Talia bot. Oh non. Oh non, vas-y, Loki. Utilise le double. Allez hop, petit double. Mais Queen a récupéré tout en double top. Moi j'ai double. Ok. Bon, c'est pas idéal. Bien joué, hashtag Summer House. Ça, c'est bien, il oublie pas. Merci, hashtag Summer House. Et l'hashtag Field de Curve aussi qu'on n'utilise pas. Field de Curve. Field de Curve. Pour nos super écrans, ah oui. Curve et Samsung. Field de Curve. Ah ouais, d'ailleurs, vous allez voir après un Field the Curve qui est juste incroyable. Complètement. Attends, on le voit d'ici, mais on dirait un home cinéma. C'est incroyable. Merci Samsung. Merci Samsung. Pour le coup. Non, en vrai, il y a des gens qui posent la question, qui se posent des questions vis-à-vis justement de tout ce qui est ça, la sponsor et tout. Mais il faut savoir que pour ce qui est d'Orange et Samsung, les gens, enfin, ils viennent nous voir en fait. Je sais pas ce que je veux dire. Genre les. Je suis pas là. Tu vois, c'est genre, c'est pas juste une marque qui nous aide, etc. Il les a plus. Genre là, les gens qui sont responsables des. Ils sont vachement impliqués. Hein. Ils sont impliqués, ils viennent nous voir, ils participent aux activités, ils nous donnent des conseils, ils nous encouragent. Bah quoi, en début de semaine, on a eu Samsung qui est venu du coup, et en fin de semaine, on a eu plutôt Orange. On était avec les gars d'Orange, effectivement. Donc c'est vrai que c'est cool, en plus, on voit un petit peu l'équipe, on voit qu'ils sont impliqués, donc c'est motivant aussi, tu vois. De se dire qu'on est soutenu, tout simplement. Mais grave. Et c'est vrai que c'est super important en réalité. De se sentir accompagné. On a besoin. T'es mieux t'accompagner toi? Ouais. Il faut mieux être seul que mal accompagné. Carrément être accompagné. Ok, c'est pas mal. Tristana est toujours mid. Je te donne l'info. Queen arrive, Talia est morte. Kha'Zix c'est juste derrière. Il y a un TP. Oh non. Oh il a flash. Je le récup. Oh shit. Ah oui d'accord. Je pensais vraiment qu'elle allait mourir mais pas du tout en fait. Oh. Ah non, elle est morte. Ah mais je croyais que j'étais sûr qu'elle était morte en fait. Il y a eu un TP de Nunu. Oui. Oh sinon je l'aurais follow pour Talia. Fuck. Ah. Et du coup c'est une Tristana qui farm sur le mid lane. On va partir sur une petite insect là. Les familles. Ça se tente mais fais gaffe, t'as pas de vision sur les... La spéciale. Normalement tu vas passer, facile. Facile. En plus, ça prend la gros la tour. Voilà. Il y a des fois, il faut savoir juste kick. Pied bouche. Faut juste savoir kick. Mais attends, mais du coup, c'est un Tryndamer qui est solo top lane. Prends les tours. Tryndamer, on a confiance en toi. Oh, il n'arrivera pas à l'avoir. Ok, on va prendre le bleu. Le bon cœur gelé, faire ce item de Nunu. Sérieux? Ouais. Oh, t'as un heal. T'as un heal. Il a toujours son jump. Je sais pas. Je tente ou pas le flash ou je mets Tu peux. Ah, j'ai pas mis le Q. Ok, j'avais pas. Je pensais qu'il allait mettre l'auto, ça passe. Oh le dragon, non, merci. Oh, du le coup, fait, c'est on le fait, on le fait, on le fait, on le fait. Le qui. T'as compris ce que je voulais faire? Oui. Genre, je voulais le bait pour qu'il turn, mais je savais pas que t'avais le heal. Ouais, j'aurais pu le dire. J'ai mal comme. Oh non, mais. J'avais pas pensé sur le coup. Bon, on serait bien qu'on arrive à récupérer la tourbot. Parce que là, c'est un peu n'importe quoi. Faut que je défende le mine, non. Oh, dommage, j'ai raté le kill. Ça me fait archi mal. Ah, Sona et Talia bot. Ouais, c'est pourquoi ils ont tué? Et Sona par contre a un ulti, on pourrait le tuer. Non, je pense que c'est la bonne game, ça. Peut-être la tuer, non? Pour l'instant, y'a personne. Du coup, je deviens mid laner dans cette équipe, non? Je vais savoir. On a but. Qui a fait archi mal, Sona en vrai. Hein. Sona? Oui. Ok, alors méfiance, mon instinct me dit qu'il y a des gens ici. Genre Alistar Kha'Zix qui va gank sur vous. Ils peuvent pas être top, ils peuvent pas être mid. Je vais te tenir. Là il y a le Kha'Zix. Là il est là-bas. Bon champion!
qui m'a trichot. Feels good. Ça serait pas Kha'Zix. On était, il m'a fait combien de dégâts ce salopard? 400, 600, 700, 800. Ok, en 3 auto-attaques. Oh. Kha'Zix, on a toujours le dragon des océans. Bon. Attends, mais il a fait quoi cette queen en fait? Queen a récupéré le first blood quand même. On attend un petit peu de présence de son côté. Queenou. Queenou. Ah, le mercure. Hein. Oui. Mais attends, mais c'est quoi les... Moi, je suis bien dans la game, mon pote. Non, mais les lèvres sont complètement éclatées. Il y a Queen sur la botlane, il y a Tristana en mid. Mais qu'est-ce que c'est que cette game? La Tristana est à 0-1, donc elle ne va pas faire trop d'effet. Eh d'accord, la Tristana refuse de farm. Ah ouais? Ouais, je crois. Il effectue un trolling? Je crois que c'est la Tristana qui troll, ouais. Mais la Tristana qui troll, mais qui veut pas mourir. Kennenus dirige vers le mid. Peut-être essayer de l'intercepter ici, non? Ah, vrai, en fait. La gueule. Enfin, elle est pas. Je sais pas. Nunu est en train de faire le carap alors. Je peux pas trop dive dans le blind comme ça. Bah, c'est n'importe quoi cette game. Fais gaffe, on peut mourir, on peut mourir. Oui, okay. Je préfère faire le mec safe, voilà, tu vois, y'a Kha'Zix. I think two. Oh, ah, tu fais un cheval? Oui, je suis trop bien dans la game. Allons, sur moi. Ah, je vais t'attendre toi. J'ai pas d'énergie. J'ai plus de mana. Y'a Alissa bot live. Oh, comment je retire? Si elle te jump dessus, je peux shield et kick. Ouais, je pense que ça va être. Je shield. Ouais, bon, pareil aussi, je pense. Alissa revient. Ouais, y'a tout le monde qui va débarquer. Oh là, le Bisrank, le Tryndamere, ça va être tellement une horreur pour lui de jouer contre un Nunu, d'une barre qui va le slow, ouais, et en plus avec cœur gelé. Ouais, c'est pire truc pour lui. C'est l'enfer. Enfin, mais tu me diras que même moi j'ai pas quitté du tout ma game en fait. Ah oh, putain, je sais pas. Quoique. Oh putain, il a flash le Kha'Zix. Ok, pas de flash sur KK. C'est important. Il y avait Ali derrière. Après, on a récupéré la tour bot. Là pour le moment, on est derrière en termes de kill, mais on est devant en termes de tour, Jones. Et on sait bien, on sait très bien même, que les objectifs. C'est supérieur à n'importe quoi. Héros de la faille, je suis pas fan en solo queue de nos jours, mais ça peut se tenter là, avec notre compo. On va faire le faire. Faire de l'armure, mon pote. En fait, ce qui fait chier, c'est qu'il va être embêtant, pardon. Ce qui va avoir beaucoup d'armure. Sur Nunu. C'est Badistar qui est le nouveau chevalier. Hello. Pousse la prochaine. Pendant que tu pousses la prochaine, je fais les corbins, héros. Il y a eu un mec qui a cliqué en hashtag sonore, c'est archi marrant. Alors c'est bizarre de le voir en game. Attention, il y a Alistar qui vous flanque. Oh merde, oh ça arrive sur le dos. Ah oui, d'accord. Putain, mais quasi, quoi, putain, plus ce champion. Mais il est pas si fait que ça. Hein. Bah là, il commence. Hein. Ouais, il était pas si fait que ça. Non, surtout qu'il arrive invisible, il m'a fait encore 600 points de dégâts en 2 auto-attaques, quoi. C'est vraiment le champion que je déteste. Les joueurs de Kha'Zix, c'est les pires. Alors, Trinda est archi mort. Y'a pas de. Oh non! Oh la choc de ouf! Oh la choc! Oh! Elle double choc! La queen? Ouais, alors qu'elle a. Alors qu'elle a. Oh! Le problème, c'est qu'il y a 10 personnes autour, je peux pas y aller. Ouais. Oh non, il a pas mis du bon côté. Oh zut! J'arrive avec un hit. Je suis mort, même si j'avais flash. Il s'est passé quoi en fait? Est-ce qu'il l'a interrompu? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est? C'est vrai qu'il va pas trop jouer. Ah. Oh! Nono? Nono peut-être? Nono? Ah, quoi que la Kelly. Oh. Oh non, mais t'es oh, sérieux? T'es derrière d'Alistar. De Nunu qui est sur elle. Ok, c'est bon, on va pas sur toi. Non. Coucou. Je me casse. C'est bon, attends. Désolé copine. Attends, on gagne. Les gens commencent à comprendre les duos. Tu veux me chill? Tu veux me chill? Ah non, c'est pas toi, pardon. Les duos non neutres. C'est plays, merde. Faut juste reconnaître le moment où il y a un plays, où il y a une merde. Une fois que vous connaissez le tempo, c'est comme dans la musique, vous arrivez à tout suivre. Ok, alors, faut qu'on prenne la tour mid. Je te rappelle qu'on a un dragon des océans. Oh non, j'ai raté le combo. Oh my god!
What the fuck? What the fuck? Putain, Kadi, c'est chaud. Putain, si seulement on avait un bon jungler. Ouais, c'est pas ta faute, c'est le personnage qui est complètement con. En plus, avec Dracar maintenant, il va faire du 600 points de dégâts. Quoi. Ouais, c'est dommage parce qu'on a une queen létalité là, mais qui fait pas son travail de létalité. Hein. Elle est pas très létale cette queen. Ouais, non. Et ça, c'est embêtant. Je vais te faire le héros de derrière. Queen, go les tuer tous. Là, olé. Fais ton travail de létalité. Parce qu'en fait, un Kariade létalité, enfin un Lucian létalité, c'est pas incroyable quand même, je trouve. Mais bon. Pas pareil. Par contre, je monte en puissance et tant qu'il n'avance pas au niveau des tours, on n'est jamais mal dans la game. Parce que je vais pouvoir. Fais le héros, ils vont nous chercher. On peut les face ? Non, non ? Oui. J'arrête pas du récupérer. Je le ramène ou pas ? Pas besoin. Ok. Tu il rentre à la maison. C'est le évidemment. Je prends pas celui-là. Okay. Nice ! Ok, on prend le raid. Nice. Et on mid. Il y a juste. Ok, il a mis. On a un héros, on a un héros. Ouais, un c'est héros. Bien, c'est bien. Faut push. On a 15 secondes, 25 secondes hein, quand même. Ok. Faut vraiment y aller. Les nuits arrivent à gauche, là-haut. Sûrement Kha'Zix à droite. Et pas de flash, Nulu. Hein. Sûrement Kha'Zix à droite, ok. Je préfère te prévenir. Voilà, il est au centre. Ah, au centre. C'est excellent ça. Derrière Kha'Zix. C'est excellent. Attends, ici, il me tue. Je suis où, moi ? Kha'Zix toujours derrière. Nice, mon nono. Okay. Putain, mais c'est... il a failli me tuer quand même, Kha'Zix, hein. Avec un jump. Avec une auto, ouais. Notre Herald fait grave le taf. Ouais, je ramène les. Il a failli. Ok, il chase l'autre, c'est pas mal hein. Ouais, ah, ouais, t'as pas de kick toi par contre. J'ai pas de kick. Mais on peut peut-être prendre la tour en vrai. Hein. Oh, ouais, là. Oh là là. Ok, on est pas si mal, faut se barrer. Kha'Zix c'est. Faut se barrer. Ouais, mais bon, on est archi low. Y'a plus de mana sur l'autre. C'est dingue, full split push. Non, mais vous avez vu les dégâts de Kha'Zix quand même ? C'est assez dingue. Mais en tout cas, l'ultimate de Sona sur Nunu était vraiment smart, j'ai bien aimé. Ouais, genre quitte à le détruire quoi. Ouais, ouais. J'aime bien aussi. Okay. C'est vraiment pas mal du tout. On va faire des ninja d'habit du coup. Et peut-être qu'on va réussir à survivre plus de 0,5 secondes face à Kha'Zix. Oh, regardez ça. Lucian, Tabi Ninja, Géa et Bouclé d'Orne. Ouais, mais bon. Enfin bon. A la base, je suis pas en lane face à Kha'Zix, hein. Oh, c'est bien par contre. Oh non. Je peux te le ramener. C'est un peu loin. J'ai pas envie de flash pour lui. Je vais le garder pour un autre Jean-Michel. Non, on garde. Alors, il faut qu'on bleu, 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 okay. Bleu. Je te propose ça. Je suis pas sûr qu'il soit up. Je pense qu'on va y et aller. Et on l'a juste pas check depuis longtemps. Oh. Ah, j'ai pas ça. Kha'Zix. On garde un Je regarde Kha'Zix. Ok, pas sur Kha'Zix. Ok, ouais, go. Parti mon pote. Il va jump okay, là-bas. C'est bien, il a plus de jump. Il va prendre le. Ok. Il va où ? Je l'ai eu. Oh, j'ai pas voulu. Ok. Ouais. Alizar, il a pas d'ulti. Il a un ulti, Alizar. Mais là, il a plus d'ulti. Kha'Zix toujours. Ouais, c'est bon. Kha'Zix, il peut rien faire normalement. Je te ramène la triste. Elle est pas morte ? Oh, crotte. À la flash. Oh, t'es sérieux. Ok, on y va. C'est pas le coup d'aventure à 1 à la fin de ce move. Ah bah c'est pour Queen. Ouais, Queen va là-bas. Ok, je push. Ok, c'est bien, les escarmouches qu'on gagne. Attends, il y a une Talia. Et Diz Nash, Icon Nash, c'est vrai qu'il y a Trinda bot. Il y a une Talia. Oh my god. What? Il y avait une Ward là-dedans? Désolé. Oh, elle a fait full piffé? Je crois qu'elle a full piffé. Non, bah alors. Full shot, full bluff. Et ça passe. Là, il va prendre le mid du coup. On a pas pushé. C'est pas mal, hein. Non, c'est pas trop mal. Dommage qu'on ait pas. N'oublie pas, hein. Faut la gagner celle-là. Dommage qu'on ait pas abouti sur un petit kill, mais c'est pas trop mal. Du coup, il est 18h42. Ouloulou, le temps passe à cette vitesse. Oh non. Soso. Petit pays. Il t'aime beaucoup. Je prends une pink ward. Peut-être qu'on peut essayer de faire un coup de nashor, ouais. Putain, c'est dommage, monsieur. Je me suis fait 4. Je pensais pas qu'il y avait une ward dans sa bouche. Elle t'a Q. Aveugle. Elle m'a Z aveugle surtout. Oui, pardon. J'espère qu'il y ait le Kha'Zix ici. Est-ce que c'est Ward, ce qui est sûr. Hein ouais, j'ai un peu peur. Ouais, ok, Nunu est mort bot. Ça peut Talia est en reset, donc viens avec moi, derrière. Tu la vois. Oui. Elle est encore là. Hein. Je pense qu'il y a peut-être Kha'Zix là. Peut-être. Il y a un peut-être de ouf. Je suis derrière, gros. Et on est deux derrière. Attention à Kha'Zix.
Y'a pas Nash, 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 Oh, 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 plus, oh derrière. Allez, c'est un free kill ça. Kazix. Merci, Kak. J'ai touché. Ouais, bien sûr, tu vas. J'y vais, pas, j'y vais pas. Bien sûr, tu vas pas. J'ai failli appuyer. Genre, vraiment, j'étais en mode. Non, mais on a dit bien sûr, tu vas pas. Donc, il va attendre. Allez, sur moi. Non, j'arrive. Je suis passé. Tu vas, non, tu vas. Non. Il y a Jean-Louis Alistar d'ailleurs. Mais il y a coin qui. Aucun, je pense que aucun intérêt de faire ce move. Allez, mon pote. Ah, bah voilà. Y'a Coin Coin qui fait son travail de Coin Coin. Nice. Coin Coin. Bien joué Coin Coin. Allez. Voilà normalement. Alors, on tue tout le monde. Là ils ont commit. Il fallait pas. Oh c'est l'erreur de trop. Oh l'erreur de trop. Et le petit blind là qui va passer. Le petit blind Le petit blind qui sera raté. Dommage. Oh j'y croyais au petit blind hein. Y'a pas à Lille. Ah non ils sont. C'est quoi cette game? Y'a la 11-10 là. Et Tristana elle a 1-2-1 et effectivement l'autre a 11-10, c'est très marrant. T'es mort, Tristana t'es prêt? Ouais. Je peux mourir, il y a une chance sur une que je meurs. Ok. Oh non. Ok bah ça va. Elle a pris son petit coup critique je crois. Ah ouais? C'est ok. Oh. Ouais et ça push top. Prends fais gaffe ça va arriver sur nous je pense. Y'a Nunu qui est stock là. Il effectue un trolling là. Je push le mid. On peut l'aider. Oh merde. Oh le coquin. Oh le coquin celui-là. Hop là. Coquin Alistar. Oh. On va faire un gage là. Je sais pas ce qui s'est passé. On a pas la croix. Push pas la croix. Tu push. Nice. Il joue bien là notre Roger Blitz hashtag Summerhouse. C'est du bien. Il joue pas trop mal ouais. C'est bon, du côté du Trinda qui fait du beau jeu. Oh, Kazix a fait mon tap de Kazix. On a pas d'engage, on touche le top. Touche le top. Gaffe à vous. J'ai envie de kick les trois, l'un dans l'autre. Un moins un. Ok, pas mal. Et là, on fait un petit Q. Attends, Rampage, mon pote, on va la gagner. Tu l'as eu? Nice, Jones. Nice. Et c'est un Nunu finalement qui est inexistant, malgré son stuff d'armure. A chaque fois on a réussi à le pécho. Oh la Alistar, c'est notre biatch. C'est dommage d'avoir Alistar, c'est notre biatch. Alistar, j'ai dit. J'y vais pas. Alistar. Ok, on va pas Alistar. J'ai l'impression d'avoir un film en ralenti quand t'attaques avec Nunu. Ok, Tristana up dans 3 secondes, Nono. Est-ce qu'on a peur de Tristana? Moi j'ai pas envie d'avoir peur. Putain, on va être D1. J'ai pas envie d'avoir peur, je te le dis. Eh mon pote, Tristana est toujours là. Effectue une méfiance quand même. Y'a un inhib, je pense qu'il y a un inhib. Genre, je cool. Ça paraît risqué, hein. Kha'Zix est up, on a pas de kick. On est des grids. T'as tout? J'ai tout. J'ai pas le kick, oula. Hop, premier dodge. Ok, parfait, la fake. Ok, deuxième dodge, c'est fini. Et Kha'Zix! Qui ça? Kha'Zix! Je connais pas. Kha'Zix! Ok. Oui, monsieur. Quoi? Oh non, que des numéros. Oh non. Que des numéros morts dans ma team. Hop là. Merci pour la. Oh, 7-7-7. Ok, ça va comme ça. Hop là. C'est du 7-7-7 de mon côté. On peut finir? Pour rien, je suis arrivé deuxième au poker. Je peux l'aider ou pas? Une chance sur deux. I don't know. On va l'aider. I don't know. The Shones, l'ultimate de Tristan Hoot. Tristan Hoot. Ouh, le AVA contre une Akariade. Et le shield pour l'assist. Dommage. Oh, c'est presque pas. Ah, j'ai pas envie de toucher, j'ai pas envie de faire des kills. Et le shield pour l'assist. Voilà, parfait. Let's go! Bravo! C'est une game de Nono et Shones. Ça c'est une game de Nono et GG Summer House. Oh là là. Oh, il y a eu du play, je te mets direct un GG mon pote. Moi j'ai envie de te mettre un sang froid. Est-ce qu'on va regarder ensemble? You have been promoted to Diamond 1. Wow. 37% win rate Nunu. Ouh, ça tacle. Et GG. Ça tape dans les coques. Dans les côtes. Ça tape dans les coques. Ça tape dans les coques. Dans la coque. Bon voilà. Bravo monsieur. Vous venez de voir le meilleur duo de la stream team. Tout à fait. en live. Messieurs,
Je vous vois un peu perché là-bas. Ok, on va attendre encore un petit peu. Mais en tout cas, il y a un gros truc qui va arriver. Vous allez voir, je pense que vous allez être impressionné en fait par l'écran. Je pense que vous allez vraiment kiffer parce que moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai fait waouh. T'as fait quoi? J'ai fait waouh. Mais je crois que la régie, wow. La régie peut nous montrer un petit peu. Parce qu'en fait, c'est un écran qui fait à peu près la taille de mes bandes. Entre là et là, il y a. Voilà. Vous voyez normalement juste derrière Gobi là, que vous voyez à l'écran, il y a un écran. Simplement, on va le présenter un petit peu, mais c'est l'un des trois seuls écrans en Europe qui est disponible. Ouais. Que propose Samsung. Mon cher Vicou, je crois qu'il sur le compte de la Stream Team, il y a un petit truc que tu peux montrer sur Twitter avec la photo pour montrer aux gens, parce qu'il y aura peut-être un concours après. Si tu peux le récup en deux secondes sur le dernier post de la Stream Team. Ouais. Ok, là on voit bien l'écran en plus. Ouais, c'est pas mal. Avec un petit boule en plus. On voit des mains, mais voilà, ça va, c'est en train de se setup. Je crois bien qu'on va être parti pour un petit fif. Un petit fif, Nono, pour aller tester cet écran. Parce que voilà, on a regardé un peu, et apparemment, tu peux jouer et tu peux voir tout le terrain. Oh, et ça, c'est sympa. Donc, alors, imagine sur LoL, ça fait quoi? Ça veut dire qu'en fait, t'es sur la mid lane et tu vois pratiquement t'as un bot et t'as un top. Je sais pas si vous imaginez un petit peu la taille du truc. Oui, c'est beaucoup. Donc, en fait, c'est le truc qu'il faut pas jouer en fait à un jeu comme League of Legends ou un jeu à MOBA. Sur un écran comme celui-là, parce que ça ne sert à rien. Ouais, faut pas exactement. Jouer avec des écrans trop grands, hein, les amis. C'est pour ça d'ailleurs que les pros réduisent au maximum leurs fenêtres. Oui, c'est deux écrans, là c'est en un seul que tout est prêt. Et je pense voilà. Que PA, tu peux nous en parler un peu de cet écran. C'est incroyable. Hein. C'est... Je suis en train de pas. Micro. Mauvais micro. C'est vrai que c'est assez ouf. On était parti sur une blague un peu ironique et là on passe un vrai moment. C'est là, il a dit. Non. Le match avec Sakor contre Dwagby, ça va être très rapide, c'est juste le temps de setup le blind test. Exactement. Et voilà, donc, du coup, un 1v1, nous on va commenter ça. Et voilà. Attends, est-ce que tu vas prendre le FC Nantes par hasard? Parce que t'as quand même été coach, non? Allez! Tu suis, toi. Non, c'est Sakor contre Dwagby. Ah, ouais, merde! Alors son pseudo, c'est Domingo. Tu t'appelles pas Sakor, toi. Non, mais voilà, c'est bien en plus qu'on fait un peu tester. Oh non, pas de allez alors. Un autre invité, un peu comme Kamel. Hein. Hier, je vous rappelle qu'on a reçu Kameto, qui est venu nous voir pour la soirée de l'horreur, qui a fait un peu d'Overcooked aussi avec nous. Et qui a pu être testé sur le juste prix. Et là, maintenant, on a. Notre ami Sakor qui va faire duo avec DF, duo avec Domingo. On le fait bosser. Hein. Ping-pong en BO5 avec Domingo. Et ensuite, là sur FIFA, avant le blind test et avant le Masterchef et avant de dormir. Que l'activité. Voilà. Hein, et je pense que l'activité la plus dure, ce sera probablement de dormir. Mais effectivement, on les fait bosser un petit peu. Même Kameto, hier, il a fait 16h-22h aussi, hein, en notre compagnie. Il a dû prendre une petite sieste quand même, avant et après. C'est normal, c'est du classique. En fait, on l'a posé à un moment dans un canapé, il s'est endormi directement. Hein, ça a duré 2 minutes et pff. Ça, c'est incroyable, hein, les mecs arrivent à s'endormir d'un coup. Ça fait plaisir de voir tout ça d'ailleurs, tous les invités. J'espère que vous aimez toujours en tout cas ce qu'on propose. Là, on va continuer. À chaque fois, c'est une petit moment excitant hein, sur la préparation de l'émission. Ce qu'on voit là, notamment avec la soirée poker, qui était l'une des plus abouties d'un point de vue production, régie, etc. Il y avait beaucoup de caméras, il y avait beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup de zooms aussi qui sont possibles. Bah, en fait, des challenges hein, pour la régie. Là, beaucoup de challenges sur cette semaine. On va essayer évidemment de... ce soir, en fait, nouveau challenge pour la régie avec l'émission justement Masterchef. Ouais. Donc c'est vrai que la régie fait un travail incroyable. Et je pense qu'on peut faire un big up sur le chat. Big up la régie, big up la régie, big up au caméraman. Big up la régie. Ouais. Le caméraman. C'est la musique de la régie, ça? Vous avez pas une musique genre phare? C'est la musique de la régie. Je sais pas ce qu'il écoute, Victor. À votre avis, il écoute quoi, Victor, les gens qui sont sur le chat? Big up la régie, big up la régie. Voilà le chat, big up la régie. Big up la régie. On voyait un petit peu d'amour à la régie. Et on avait un PA à la caméra. C'est sûr qu'on les voit pas, mais ils font vraiment un travail de malade mental. Si, là on t'entend pas. Non, on t'entend pas. T'entends pas, on t'écoute. Ah, attends. Allô? Ouais, parle plus fort, on t'entend pas. Vous êtes chiant. On t'entend, mon pote, qu'est-ce que tu as? Non, bienvenue en tout cas. Vous, on a gagné une game, j'ai passé D1. Oui. Ouais. C'est vrai? Donc nous sommes 2 D1 actuellement. Ah, moi je suis à 1-1. Une victoire, une défaite. Ah, pas mal. Ah, t'es en D1. Oh. Pas mal. Oh.
Oh, ah, je me suis dit 4-4. Ouais, ça dépend, ça, ouais. Ça dépend un peu des envies. Qu'est-ce que je voulais dire? Ils sont en train de capturer l'écran et on va pouvoir jouer juste après. Normalement, ça devrait être bon. Du coup, un petit match rapido, ensuite blind test. Normalement, Nono et moi, on n'est pas très forts. Par contre, Sakor est hallucinant en blind test. Donc, ça va être le moment pour vous de jouer. Du coup, il faut être dans son équipe, quoi. C'est ça. Et derrière, à la fin, à 20h, Masterchef. Donc, ça risque d'être vraiment cool. C'est un peu nouveau. On essaie de faire un truc vraiment différent de ce qu'on peut faire la journée et tout. Et bon, on espère que ça plaira aux gens, quoi. On explique aux gens qu'il y avait potentiellement des choses qu'ils connaissent, mais aussi des choses qu'ils peuvent découvrir sur le format de l'émission avec un invité exclusif, en tout cas quelqu'un qui va nous faire. Bah, en vrai, en vérité, c'est un véritable challenge pour nous de proposer finalement autant d'émissions, aussi bien pour la régie finalement que pour nous, puisqu'on n'a pas l'habitude de faire soit des soirées poker, soit des soirées Masterchef comme il va arriver ce soir. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool de proposer ça et nous, ça nous permet de débloquer de nouvelles expériences, etc. Et même en termes de cuisine, on va peut-être apprendre des trucs. Parce que j'ai cru que toi, t'étais pas très très bon en cuisine. Moi, je suis naze. Moi, je suis à un niveau terrible. Je suis. Tu fais des pâtes, quoi. Et encore. Et encore, il les fait brûler, je crois, c'est pas. Non, il commande à manger, c'est déjà pas mal. C'est pas évident parfois. Non, franchement, c'est super cool. La commande, on arrive. Le code promo, clac, il rentre bien. Les miams qui sont accumulés. Oh, les miams. C'est du beau miams. D'ailleurs, j'ai fait pousser un arbre ou je sais plus ce que j'avais fait. Voilà. Pousser un arbre. Ouais, ah oui, d'accord. En fait, plus tu commandes sur le resto et après tu peux envoyer pour aider. Soit tu gagnes genre 30 centimes de réduction, soit t'aides un truc humanitaire ou un truc pour la planète, quoi. Tu vois, donc, Et c'est bien, il y a Milsou 974 qui dit Domingo a vieilli. Et effectivement, Domingo a maintenant 48 ans. Domingo a vieilli. Les gens pensent que j'ai 10 ans. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est dingue de temps en temps. Ah, t'entends tout? Ah oui. Ah, c'est horrible, j'ai eu ça. Et je pense, mon cher Vicou, merci de nous avoir donné le go, puisque je crois qu'on est prêt. Messieurs de FIFA, vous allez devoir nous présenter l'enjeu de ce match et surtout l'enjeu de notre écran. Dwagby, c'est à toi. C'est un match à 1000 euros déjà. J'en le mec direct. Exactement. On va simplement s'affronter sur FIFA. On teste, je pense qu'on vous l'a dit, le nouvel écran Samsung. Alors je crois qu'il y en a 3 exemplaires dans le monde et qu'on est les premiers à le tester officiellement devant des gens, etc. Mais c'est que ce soir il disparaît dans mon sac. Alors je suis pas sûr que t'aies la place pour ton sac. Ouais, bon, il disparaît dans mes bras, quoi. Voilà. J'ai eu l'occasion de le voir. Je voyais des gens qui parlaient de télévision. Non, non, c'est pour les ordi. Ah oui, clairement. C'est un écran pour PC, ça. Hein, genre, et donc, en fait, on voit quasiment la belle tout, bête. Quoi. On voit tout. Dave aussi, il a fait la petite donc, voici de l'écran. Ça devant, là. Ça fait pas très samouraï, ça fait... Tiens, on dirait l'acolyte qui a raté un petit peu son parcours. Bah, je suis Batman, c'est Robin. C'est un peu exactement. Sakor, t'es prêt? Je suis classique. Prêt. On fait un petit match, vite fait. Classique. Moi, c'est très bien. Alors, quelle équipe on joue? Moi, c'est comme tu veux. Moi, je suis toujours chaud de prendre le Real. Moi, déjà, je suis sur une manette non reconnue, quoi. Oh là là. Une belle manette non reconnue. Moi, de ton côté. Sur une manette qui revient rapidement. Pourquoi vous faites des coupes de footballeurs, là, vous deux? Je sais pas, bro. Deux coupes de tout à l'heure, ça marchait. Hein. Nous avons une. Teste les flèches. J'avais pas vu la petite caméra derrière. Non, problème technique au niveau problème de la manette. Problème technique, messieurs. Regardez l'écran. Mais cet écran est incroyable. Oui, et en vrai, genre, je crois que là, en gros, quand on sera dans tes cages, par exemple, on verra quasiment ma défense en même temps. Ouais. Genre, ça qui est assez ouf. Ah, mais c'est un délire, mais du coup, t'as trop de niveau avec ça. On va jouer à FIFA différemment d'habitude, parce qu'avant, tu dois regarder la minimap, anticiper. Ouais, c'est trop dur. Là, tu vas le voir ton joueur partir. Donc, tu vas être en mode, ok, il est parti, je vais pouvoir lui faire la passe. Faut que je sois un peu plus proche, moi. Parce que tu penses que c'est le cas? Au pire, mets-toi à l'angle là, du canapé. En vrai, moi, je faudrait que je sois là. Mais il est insane, genre. Genre là, tu vois. Est-ce que si je m'assois dessus, ça pète? Mec, je reviens. Bad call. Je suis trop long, recule-le. Ah, pas moi aussi, d'habitude, j'ai l'habitude d'être collé à l'écran. T'as failli me niquer un genou. Moi, j'ai l'habitude d'être vraiment proche. Ouais, toi, donc, pareil, je vais mettre là. Je vais mettre ici. J'avoue que j'ai fait un petit col lunette de vue. Et ce sera très bien. Voilà, là, c'est très bien. Est-ce que la mettre marche? Non. Tiens, essaye de la bidouiller, t'es à droite. Je suis à droite? Ouais, t'es le grisé un peu. Là, ça devrait marcher. Ok. Pendant ce temps-là, on a un atelier coiffure sur la. Non, là, on a un vrai souci technique. Hein. Non, mais je le flotte 5 heures, mais on n'y arrive pas. Là. Ça marche genre 0? Non, ça marche pas. T'as l'air que ça marchait, je comprends pas. Vas-y, essaye de rebidouiller le câble. Je pense qu'il y a un faux contact. C'est pas ces boutons-là là? Ouais, je pense. C'est la meilleure séquence de la Summer House que vous êtes en train de vivre avec nous. Là, c'est un bonheur là. Est-ce que c'est un bonheur ou pas? Ah, la manette s'est éteinte. Aïe. Merci. Alors peut-être Domingo peut nous dire, c'est ta manette. Est-ce que tu... Salut, j'ai un flow incroyable. Tu penses quelque chose? Ta manette s'est éteinte. C'est bon, Sakor, je suis dans ton équipe. La manette peut marcher. Putain, il a un petit... il a la coupe de samouraï comme moi. Ouais, team. Ah, y'a un fond contact là? Aïe. On accuse. Attends, c'est bon. Ah, ça marche. Ok, ça marche. Touche plus rien. Touche plus rien. Touche plus rien. Plus touché, plus touché. Ah, mais je ressemble à rien là. Mais j'aime trop. Ah, Toulouse. Real Barça?
Real Barça, c'est classique. Tu prends quoi? Moi, je prendrais Real. Ok, moi, je prends le Barça alors. Voilà, je pense que le Barça est un peu meilleur, du coup, je te le laisse. Je pense que le Real est bien meilleur. Je te laisse regarder les stats. Ouais, bon, bah, t'as raison alors. Voilà, c'est une discussion assez classique. C'est la fameuse. Ça va dans la gestion d'équipe direct, quoi. C'est la fameuse. Je vais faire comme les professionnels. Ils font des trucs comme ça, tu sais, dans les instructions. Hop. Moi, je vais faire confiance à la stratégie initiale de cette équipe du Real de Madrid. Okay. Je vais plutôt m'adapter à cette formation. Est-ce que je mets Touran sur le banc histoire d'avoir un peu de puissance de chez toi, quoi? Oh. J'ai mis Touran sur le banc histoire de me dire, on sait jamais. Backup contre Douag, un Touran, c'est bien. C'est, t'as une deuxième mi-temps solide, quoi. C'est ça, on se met solide. Alors, je ne sais pas tirer les pénaltys. Ouais, tu vois la flèche, hop. Ça va. Ça je sais tirer les pénaltys. T'es chaud. Deux fois, c'est random. Hein. Oui, donc voilà, regardez ça. L'écran. Donc ça, vous voyez tout l'écran. Regardez, on voit tout le terrain. What? On voit tout le terrain. Mais c'est quoi, ça? C'est En vrai, c'est vraiment extraordinaire. Pour ce jeu, c'est ouf. C'est quand même assez insane, là, ouais. Oh, yeah. Il y a un problème de formation. Là, faut que t'appuies croix. Même pourquoi il y a un vert et un rouge. Quoi? Vous êtes ensemble, en fait. On est ensemble. Non, mais il y a un mec qui joue qui est pas avec nous, là. J'avoue que là, il sait. Qui est le vert, là. Il y a un autre joueur, là. Ah, mais le clavier joue aussi, en fait. Hein. Vire-moi ce clavier, là. Oh, mais le clavier. Le clavier joue aussi. Le clavier, là, vous le squattez, frère. Le clavier classique. Attends, j'ai envie de voir mon flou, là. Non, t'es pas obligé de l'entendre. Salut, les gars. Non, est-ce que t'es prêt, ça, quoi? Oh, je suis prêt. Oh, mais c'est trop bien. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est vraiment première pour FIFA. Mais c'est trop bizarre. Superbe écran. On teste un peu les trucs, on regarde un peu l'écran. Mais, ce qui compte avant tout, c'est le match. Le match, vous êtes là pour ça. C'est trop bien. Je suis sûr que je vais acheter un écran comme ça, hein, pour FIFA. Bah, hein. Pour FIFA, c'est trop bien. Quoi? FIFA 18, gros, je suis. Pour LoL, je pense que c'est un peu compliqué, ouais, en vrai. Pour LoL, je pense que c'est pas ouf. Oh non. Et directement, peut-être. Oh là. Doc, tu te rappelles la dernière fois qu'on a fait un match? Tu m'avais éclaté, non? Je t'avais éclaté. Et ça commence sur 1-0, mon petit Doug. Donc c'est bon, l'écran est bon, on peut commencer le match. Oui, voilà, bah non, on est prêt. Non, mais ouais, le test est validé, Doug B, tu peux lancer. Allez, on commence le match directement. T'es sérieux là? Oh, il l'a fait en plus. Ah non, j'ai cru que t'avais appuyé. J'ai cru qu'il allait douiller sur ça. Hein. Tranquille. Okay. Non, parce que la dernière fois qu'on l'a joué, tu aurais gagné. Mais je crois que je t'avais pété, ça, quoi. Oh là là, Doug B. Moi aussi. Comment ça? EDF aussi. Quoi? C'était quand ça? La dernière fois chez moi. Fais gaffe, là tu vas. Regarde le score, hein. Il y a faute là, monsieur l'arbitre. Regarde le doigt comme ça, crevard. Oh l'erreur. Oh l'erreur. Je sa mère, arrêtez. Et non, CR7, ça ne passe pas. Ouais, essaye, on va jouer sérieusement. Parce que là, j'ai vu qu'il y avait un candidat. Jordi Alba. Le mec m'a mis un but en 4 minutes. Il y a genre. C'est qui le meilleur de base? Je sais pas. Je pense que c'est Douag. Non. Sakor. Sakor plutôt. Sakor mène déjà 1-0, les gars. Non, mais de base. Rien dire, de base. Juste par rapport à. Oh là là, on part sur 1-0. On part sur le deuxième. Oh, aïe. Quel arrêt. Bien compris par le gardien. Allez, viens là, Douag. Et il va se rapprocher. Eh, il est trop bien cet écran, j'adore. Je vais jouer debout ou. Non, mais assis-toi. Ça va être un jeu debout. Ça va être. Non, ça va être possible pour moi de faire cette position. Ah, d'accord, je comprends. Un joueur blessé. 2-0. Non, par contre, à 3-0, ça lâche, ça arrête le match, ça passe. Ah, je passe la manette. Tu passes la manette, c'est fini à 3-0. Vu à quel point ça va être. Bah, du coup, c'était worse de se mettre debout, quoi. Attends. Ah, problème technique, faut recommencer le match. Alors, Nous, ça lag pas du tout sur le jeu. Peut-être que la capture, je sais pas si vous pouvez bien suivre le match, mais la capture bug peut-être un peu. En tout cas, nous, en direct, on a aucun souci. Ah, ouais, nous, aucun. C'est genre un vrai 2-0 concédé. Un vrai 2-0 accepté et concédé. C'était quelques super. On lui donne un petit top. Problème vient des passes de Douag, je pense. Ouais. Pour l'instant, il va falloir améliorer un petit peu. On a coach Shones. S'il y en a qui se posent des questions. Entraîneur, pas sur FIFA. Tire Shonesy. C'est un 49 pouces, s'il y en a qui se demandent. C'est l'équivalent de deux fois deux écrans 27 pouces en Full HD. Ouais, t'es bon toi. Et j'ai regardé un peu, et genre, bah, c'est comme un écran classique. Enfin, il y a beaucoup de gens, je sais, qui sont un peu experts, etc. Mais c'est 1 milliseconde de temps de réponse et 144 Hz. Ah, mais c'est peut-être classique. Qui me détruit parce que ça va trop vite pour moi. Et c'est juste relié à un câble, tu vois. Genre, en gros, les galères quand t'as deux écrans, bon, c'est pas des galères non plus. Mais... Oh là là là, mais ça joue bien. C'est le disque, c'est deux alim, c'est deux machins, c'est si ça soit relou. Deux alim, deux display portes. En tant que streamer ayant plusieurs écrans, c'est chiant. Voilà. Bah écoute. Non, tu mettras jamais ça. T'es sûr? Pas moi. Il n'y a que 3 en Europe. C'est chaud, tu joues combien de fois cet écran? Mais là, je suis en match où je suis vraiment le meilleur. T'es ton chelou. Là, c'est incroyable. Ça s'appelle des guettas. Tu veux essayer? Ouais, vas-y. T'as de l'air qui passe dans tes pieds. C'est non, mais tu vas voir que tu comment tu mets... Ouais. C'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Sachant que t'es maladroit, ouais, je pense que c'est pas le meilleur pour l'instant. En fait, tu lâches, mais tu vas avoir l'impression de tomber quand et tu marches. Et par contre, ça te fait du bien au dos parce que tu marches forcément droit. Mais pourquoi t'as ça, d'accord? Mais c'est trop bien. Parce qu'il se prend pour Iyashi dans la rue. Ouais. Tu sais que j'ai l'impression d'avoir des talons. T'as l'impression de tomber, ouais.
Mais t'as un flow de fou, tu vois. T'as un flow inégalé. J'ai l'impression d'avoir des talents, vous savez. Inégalé, je sais pas si c'est le mot, mais. On s'accorde, tu veux travestir, faut le dire. 0-0, ça rentre. Ma défense est trop bien placée. Faut que tu marches sur l'arrière en fait de ton dos, et comme ça, ça te met droit. Ah, donc c'est vraiment, ouais, comme c'est fait pour te marcher droit. Non, c'est fait pour marcher droit. Et c'est ça fait du bien au dos. Attention, après, ça doit être agréable. Bah, c'est vraiment le flow du je m'en bats les couilles. Quoi. Ah oui, par contre, ouais, faut pas avoir peur d'être regardé chez vous. En fait, c'est agréable de marcher sur le devant. Oui. Ça fait ça là. C'est trop bien. Assez, je joue trop dans la rue. Cristiano Ronaldo, le centre. Oh, je me permets de parler. Excusez-moi, j'ai interrompu ce match. Il n'y a pas de match. Et on est reparti avec Neymar sur le côté. Luis Suarez qui fait la passe à Andrés Iniesta. Il la remet à Neymar sur l'aile gauche. Attention, est-ce qu'il va trouver une solution? Peut-être. Il repart à la lumière. Oui, c'est passé. Attention, remet Iniesta et c'est bien défendu. 3-0, c'est la règle de la street. C'est la règle de la street. C'est la règle de la street, c'est 3-0. T'as du mal à mettre le 3ème, s'accord. C'est vrai. Et là, il y a Gareth Bale. Gareth lance le centre peut-être de Gareth Bale, on met la frappe. Oh là là, la claquette du gardien. Vraiment, il est allé tout droit. Il commence à retrouver mes marques. Oui. Mais trop nul Gareth Bale. Hein. Genre vraiment un joueur pourri. Hein. Qui? Bale. Non, Bale. Non, mais sur le jeu, je le trouve genre... Non, c'est pas Ronaldo, quoi, c'est ça qu'il dit. Ouais, enfin, ouais. Enfin, c'est le top 3 des joueurs, quoi. Ah ouais. Oh, ouais. Oh là, il a feinté. Je la reprends. Oh non. D'accord, j'en sens un peu trop confiant, peut-être. C'est vrai, mais... Mais on laisse un peu de temps le jeu parce que. Mais merci d'ailleurs, Sakor, de me laisser un peu jouer. Si on met 3-0 maintenant, le planning il est fucked up quoi. Non, t'inquiète, le planning est archi pas fucked up. Au contraire. Non, le planning il serait pas mal. Ah ouais? Bah allons-y alors, c'est parti. Si on met un 3ème, le planning il est archi cool. Doug va peut-être mettre un but contre son corps. Mince alors, les gars, je suis désolé. Passe à Luis Suarez. Non, mais quelle heure il est exactement là? Busquets. 19h04. Ah ouais? Les gars, bon, les gars, je vais. Mais si. On a tout peut-être le temps. Troisième but sur cette action. Ah, Neymar, la passe à Busquets. Oh non, peut-être. La frappe. Et que là, non, mais te laisse pas faire ça, parce qu'il va te full hyper pour, comme s'il faisait exprès. Ah ouais, mais là, il est 19h04, les gars. Il commence à faire le mec. Hein. Mais attends, t'es en train de dire qu'il est 19h04 et le blind test n'a pas commencé. Ah ouais, donc du coup, moi, les gars, joli. Je me fais un peu sacrifier, quoi. Je me fais un peu sacrifier. Ça, c'est du spectacle. Pour le blind test, je me sacrifie. Je laisse. Parce que t'as besoin d'aller le préparer. Hein? T'as besoin d'aller le préparer? Non. Par contre, blind test, genre, tu m'as vendu en mode je suis trop chaud alors qu'en vrai, bon. Non, t'es vraiment bon, toi. Non, parce que le niveau moyen de la stream team était vraiment bon. Oui. Mec, t'es meilleur. Parce que si tu le sens plus, Doig, il y a un passage de manette qui peut se faire en deuxième mi-temps. Oui, c'est bien passé, peut-être le 3-0 sur cette action, on est décalé. Je vais sauver mon honneur. Iniesta, Iniesta, la frappe. Non, mais c'est impossible, c'est scripté pour pas que ça rentre. Mais j'avoue, c'est scripté, FIFA, après, on dit c'est pas scripté. C'est un mensonge. C'est la Summer House qui est scripté. C'est vrai. C'est du cinéma, quoi. Boum. Oh, c'est bon. Belle mi-temps, du cas d'accord. Hein. Franchement, un début de match en de folie. Mais là, en vrai, c'est bon, je commence à prendre mes marques. Hein. Ouais, j'avoue que là, tu joues mieux qu'au début. Bah, au début, c'était chaud, quoi. Genre. Mais là, tu joues bien. Ah, j'ai du mal à m'adapter à l'écran, vraiment beaucoup trop développé pour moi. On rappelle la marque, du coup C'est Samsung. Ouais, c'est vrai, Samsung. Hein. Il y en a combien dans le monde là? Il y en a 3 dans le monde. Donc là, il y en a 1. On est combien de chiens à le tester? On est les premiers. Première fois dans le monde que cet écran est release. Combien de hertz? C'est mondial. C'est quoi la référence? 144 hertz. Et combien de délai à millisecondes? 1 milliseconde en temps de réponse. Ah ouais, c'est incroyable. C'est hyper rapide. Vous mettez une information, vous la recevez en combien? Une milliseconde. C'est assez ouf. Et on rappelle, Sakor qui est daltonien voit exactement les couleurs comme ça. Ouais, bah c'est un écran. C'est la guérite de sa maladie. Vraiment, ça arrive de ses yeux dessus, ça y est, il a plus jamais eu de problème quoi. Donc vraiment. C'est la pierre philosophale le truc. Ça, oh, c'est contre. Oh là 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 là. On est sur un bon dog là, ça revient. Doig is back. Ah, c'est le Doigou qu'on veut voir là. Oh là, cette passe, je l'avais vue, mais. Lionel Messi. Je suis battu. Lionel Messi. Ouais, on a été trop loin, on a été gourmand. Quand je vois pousser le ballon, que je vois le score, je suis en mode, il y a un problème. Ah, t'es sûr? Ah ouais, ok. Pour moi, c'est pas la même personne qui joue. Attention, il va falloir appliquer les passes, mais là, c'est une relance dans l'axe. Qu'est-ce qu'on va faire avec Neymar? Neymar qui prend le centre. R, il y a R. La frappe finalement. J'avais enroulé, non? Ça, c'est des buts qui m'est facile, ça. Oh là, attention ça. Pia, tu veux que je l'éclate ou je laisse gagner l'invité? Ouais, essaie de l'éclater quoi. Sûr? Ouais. Essaie de l'éclater, vas-y. Ok, je veux pas briser l'amitié, mais on y va alors. Okay, bah, c'est vraiment plus, c'est plus ta passe qui a éclaté là, Doig. Allez, fais un effort mon pote, Rakitic pour Suarez. Suarez face à Iniesta, peut-être sur l'aile gauche, on voit Neymar. C'est bien trouvé, Neymar qui revient sur le centre. La super passe pour Iniesta, mais quelle défense. Non, je rigole, pas laquelle défense. Mais ça va, mais quel arrêt du gardien. Ça y va pas. Quelle défense du Real Madrid. Et finalement, je rigole, c'est reparti. Et si, quelle défense. Archi battu, archi dépassé. Je rigolais de rigoler. Parce que finalement, ça repart. Du coup, c'est reparti.
Ah, ça repart bien. Je sais pas si c'est l'écran qui te met si bien, mais tu vois tout. C'est trop bien. Je crois que c'est trop bien. Il a une vision de jeu. Tout aussi, quoi, donc mais je joue contre un mec qui a pas de ça, c'est... Ça change en vrai. Ah oui, parce que si tu joues en ligne face à un mec, j'avoue qu'il n'y a pas l'écran. Ouais. T'as un avantage de ouf. Bah ouais, mais tu vois tout. Après, c'était naze. Là, t'es en train de dire que si t'achètes cet écran, tu peux... Attends, c'est le 3-0 ça. C'est le 3-0 ça, Douac, ça passe la manette. Sac. Franchement, la règle de la street. La street. Voilà. La street a parlé. Je suis un vrai frère, je laisse gagner ton pote. Je te tape 1-2-3-0. Tu passes la manette et tu dégages. EA Sports at starting the game. Ah oui. Ouais, DFG. Oh. Salut. Que c'est pas cette chanson, putain, ça. Tu connais toi. Salut. Ouais, bien sûr. Alors, c'est un classique. Du coup là, il y a un petit match qui part. Ah, tu veux faire un match? Oh là là, le terrain. Tout dépend du blind test. Après, on n'a pas le temps. Il est quelle heure exactement? Il est 8. Ah bon, vous avez fait combien de temps pour le blind test? Non, on peut finir la game. Vous pouvez finir la game. Finir le match. Finir le match. On va voir un petit peu ce que PA pense de cet écran, bien évidemment, avant tout, avant le match. C'est quoi la référence de l'écran déjà? Fini par 90. Dommage, j'ai essayé. C'est trop bien. Ouais, bien joué. Il n'y a plus de micro. Très mignon. Je te jure, on a deux petits gars qui jouent à la course. Mets-toi un peu plus à droite, t'es d'accord? Un tout petit peu plus à droite. À droite? Droite. Attends, on dirait quand j'avais 8 ans que j'allais chez mon copain. Bah ouais, non, mais il est archi vieux. Moi, pour moi, c'est son écran. Saccor à droite un petit peu. Chez mon petit pote, on jouait. Pour moi, Saccor, il a cru que s'il gagnait le match, il partait avec l'écran. Ils sont trop mignons à l'écran. Moi, je vais gagner l'écran. J'avais ça en rien. C'est trop chou. Mais on va négocier ça à Samsung. Hein. C'est un écran que je veux gagner là. Oh là là, ils sont trop. Ça y est, il y a faute. Monsieur l'arbitre. La petite passe dans l'axe. C'est vu, c'est parce que ça. Tu peux mettre encore deux personnes entre entre PA et Saccor et tu peux toujours voir. Ah merde, on a pas les mêmes touches. C'est en alternative. Insane. Touches relou. Carré, c'est tiré. Appuie, croix. Je suis de ce genre de personne. Ah non, c'est pas là. C'est où? C'est là. Ah merde, c'est à toi d'appuyer croix. Appuie croix. Je suis le mec relou de FIFA, hein, tu sais. Appuie gauche. Voilà. Voilà là. Oh, là, tu joues BBB. C'est bon. Donc là, t'as les touches normales. Le non, moi je suis pas. Ok, je le redonne. T'inquiète. Merci, Saccor. 15 minutes. Tiens, avant la fin du match, messieurs. Allez hop, 15 minutes. 15 minutes left. On rappelle, Saccor avait gagné son duel, perdu son duel au ping-pong. Peut-être qu'il va battre PA à FIFA. Pour l'instant, il mène 3-0. PA vraiment en difficulté. PA qui a encaissé 3 buts. Ceux qui viennent d'arriver sur le stream. Déjà, il a négocié pour pas avoir le lâcher de manette à 3-0 si vous venez d'arriver. C'est donc ça. Sachez que PA est en grande difficulté. Il a besoin de votre soutien. Ça a tenté le long shot. Ça ne passe pas. Les touches sont bien réglées. Là. Le centre, la tête. Allez, PA, faut sauver l'honneur. Petit plongeon. Attention, la défense qui cafouille un petit peu. Est-ce qu'on va s'en sortir? Oui. C'est finalement bon avec Messi. Messi pour Suarez. Suarez qui trouve Iniesta sur le côté gauche. On est fatigué du côté d'Iniesta. Et ça dribble bien avec Jordi Alba. Oh, c'est séché. Oh, il est beau. Je trouve une touche. Oui, la relance, elle est belle. Oh là, le décalage, qu'est-ce qu'on va faire? Centre à terre? Non, dribble de frappe, dribble. La frappe! Oh non, ça passe pas. Elle était belle. Ter Stegen. Alors, oh le connaisseur, c'est ça. Peut-être une deuxième tentative avec le centre. Non, finalement on décale, mais c'est dommage, c'est mal joué. Aïe aïe. Mais la défense avait peut-être bonne sur l'action. Suarez. Messi. On revient un peu, on la balance. Oh là, les tacs sont bons du côté de PA. Les tacs sont solides, hein. La défense de PA là, c'est incroyable. Hein. On s'en va vite. Oh là là, que c'est beau derrière. Que c'est beau, je regarde les bonites. Peut-être qu'il y a quelqu'un au centre pour lui tirer la frappe. Mais non. Dommage. On sent que ça aurait fait un match un peu plus intéressant, peut-être. Excuse-moi, d'accord. Je suis encore là. Non, mais c'est PA qui a pris 3-0. Le double passe. Oh là, t'as tenté le lob. J'ai cru. Ok. Non. Ouais. Ça aussi, je l'ai modifié. Sur alternative, tu peux plus faire ça. Allez, peut-être. Il y en a qui demandent si c'est possible LOL sur l'écran. Oui, on a déjà testé LOL. Alors, c'est possible. Alors, mais ça enlève pas le brouillard de guerre. Curieux. Alors, en fait, je pense que c'est vachement cool. Mais à compétitif très haut niveau, c'est très dur parce que genre l'écran est vachement big. Du coup, tu peux pas voir toutes les infos. Genre, ou sinon, vraiment, t'as un radar où tu joues à deux. Dommage, PA. T'aurais aimé, je me suis mal joué. Nouveau concept. Ouais. Bravo, les gars. Bravo, messieurs. Bien joué. Bravo, on part sur le blind test. Du coup, on va continuer. Des équipes qu'on fait. Ouais, justement, on va t'expliquer ça. Je suis nul, moi. T'es nul. On va t'expliquer nul comment... pour faire une équipe. Faut Gob qui fasse une équipe, apparemment. Gob m'a dit qu'il était. Non, Nono est nul. Ah, Nono est nul. Ouais. Oh, je suis bien nul aussi. Je donne ça tout de suite.